Tac. Hop. Bon, c'est chiant le chat là. Hop, regardez, on a des catégories. On a Maxime Biagui, c'est Maxou Zoub. Merci pour les 100 bits, J.O.K. On a Ecrisio, on a Tibro, Skas, Super Connerie, Théorus, Mouette. Et c'est tout, je crois que j'ai tout dit. J'ai tout dit, donc on a un bon petit clan. On a des catégories, vous voyez là. Pas d'accord, neutre, plutôt d'accord. Et on a plein d'autres catégories que je vous mettrai au fur et à mesure des questions. Donc il y a des questions gênantes, il y a des questions soft, on en a pour tous les goûts, du coup on va voir ce que ça va donner. Je vérifie que le son est bon, ça c'est bon, tac. Regardez les, ces abrutis. Attends, est-ce que je peux baisser? Je vais le mettre à 15, voilà, ces connards là. Regardez ces débiles mentaux. Bon bref, on va commencer. Arrêtez de le taper. Ta gueule, on est en live, on est en live. Ouais, 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 ouais. On est en stream, on tape des barres. On est en stream, on tape des gens. Ouais. Et surtout. On est en stream, on tape des... Merci, hey, merci Julie, petite framboise pour les 5 subs offerts. Merci, merci. Merci Julie. Ok, première question. Est-ce que vous aimez Julie, petite framboise? C'est parti. Non. Allez, c'est parti. Moi je clique. Elle est pas sub chez moi, y'a R. Ah si, elle est sub, et je t'en gêne pas alors. Merci Thibaut. Oh, c'est quoi ces connards là? Vous voulez que je vous banne? Ecrisio, elle t'a rien donné là? Ecrisio, décale. Le mec qui a fait, décale là, sinon je te banne, fils de pute. Décale, c'est bien, connard. Moi je kiffe. Julie. C'est elle qui paie mes factures. Julie, Ecrisio te kiffe. Ecrisio te kiffe. Oh la. Eh, mais vous savez, bande de cons, si vous dites vous l'aimez pas, elle va pas vous donner de sub, hein, mouette, qu'à zéro viewer là. Vas-y, chante les deux, chante les deux. Mouette, comment tu vas faire? T'es zéro viewer, Julie, elle peut t'en donner plein. C'est pas grave. Bon, j'ai ma catégorie. Alors, hop, c'est parti. Oh, je vais faire dans l'ordre, je vais faire dans l'ordre parce que j'ai la flemme. La catégorie Grim. Thibaut. Ouais. Ferme-la avec ta musique de Joyka là. Venez au milieu, what? Mais Mouette, il veut toujours faire le mec différent là. Mais Mouette, il va, tu vas voir, il va faire. À chaque catégorie, il va faire. Non, il va faire les grilles, il va faire. Tarte dans la gueule. J'ai déjà fumé, non, j'ai jamais fumé. Vous voulez faire comme ça? Cocaïne connaît pas. Bon, les gars. Déjà, je vais commencer par les streamers, c'est parti. Allez. Maxime, tu travailles à Webedia, il me semble. On va voir. Première question. Ouais. Tuffer, drôle, pas drôle, vous mettez où vous voulez. Ah, écrit Joel Cisser. Non, non, je sais pas dans quel côté fallait aller. Attends, il a mis où écrit? Vous mettez pas. Y'a personne. Mais les gars, je comprends pas. Y'a personne dans cette zone là. Ouais, je l'aime pas trop. Vous aimez pas? Oh, je suis pas trop fan. T'inquiète. Quoi. Allez, attends, t'as mis. Allez. Ah, Skas, il a mis une potion d'invisibilité. Il est là. Ah, je suis mort. Skas, je suis mort. Un cheater. Bon, ça me paraît clair. Hein, ça me paraît clair. Ouais, ouais. Ok, clair, maintenant. Ouais. Maintenant, les tweets de Yass encore. Allez, c'est parti. Allez, hop. Ici. Ici, bof. Oh, c'est lui, moi, je parle ça. Pourquoi? C'est quoi ton avis, Tibro, là-dessus? Vas-y, dis-moi. Bah, la plupart, j'aime pas trop, mais ces derniers temps, il y en a certains, ça va. Il s'est amélioré? Tu trouves qu'il a retrouvé son niveau de jeu comme Antoine Griezmann? Voilà. Ouais, c'est tweets supprimés, c'est des bangers à chaque fois. Voilà, bah, il travaille à Webedia, donc il est obligé de les supprimer. Donc, Ah voilà, donc, vu qu'il a peur de sauter, c'est des à chaque fois. Oh, Yass! C'est le jeu de la vérité, on est désolé. On est désolé. On est désolé. Maintenant, on n'a pas choisi. En rire jaune. Ah, Tibro! Attends, pota, tu parles de quoi? Des streams? Parce que j'ai jamais vu. Non, bah, arrête un peu, Maxime, arrête. Oh, Tibro! Ah, si, attends, on parle de sa mère, on parle de son frère, de quoi on parle? Je l'ai jamais vu, je vais pas. Mais tu voyais qui te. Le mytho! Le clip du casque avec les oreilles de cham suffit. C'est bon, je reste là maintenant. Maxime, regardez! Devinez qui est l'employé d'une grande entreprise. Je le connais pas, je vais pas mentir. Ah non, Maxime, c'est pas grave. Ouais, je connais, Théo, tu le trouves hyper drôle?
Les Crisio. Non. Je change. Il a du buzz. Non, non. Alors, allez tous là-bas. Allez tous là-bas, voir. Quoi? Ok. Il va téléporter quelqu'un. Oh, qu'est-ce tu kiffes en rire jaune, et Crisio, tu kiffes en rire jaune. Oh, je tabasse, on le tabasse. Je suis allé écrire, en fait. Allez, mets-toi dans le coin, Crisio. Je vais pas le mêler, là. T'es mort. C'est moi le danger. Il y en a aucun qui le trouve drôle. Ok, un peu déçu, je me pensais que... Allez. Attends, écris, t'es au boulot là, crie pour voir sur un bonhomme. Je peux pas, sur notre... Oh. Allez, on revient sur notre... Et Crisio, ouais. Est-ce que t'aimes ton patron? Oui. Oh, le gros menteur. Oh, le le patron des Crisio et Harvey Weinstein, je vous le dis. Dédicace à Pascal, je t'aime trop. Voilà. Oui. C'est le patron d'Universal. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Pascal comment? Pascal? Pascal Weinstein. Universal, grand frère. Pascal comment? Et Crisio viré demain, hein, je vous le dis. Mais ok, je l'aime bien, moi. Je l'aime bien. C'est J'ai une question. Ok. D'accord. Soyez honnête, hein. On fait le pacte maintenant là. Vous êtes honnête, ok. Embrassez-moi. On est honnête. Oh, il y a 100% d'honnêteté. Maxime, viens ici là. Regarde-le là. Ça se voit, c'est un homme. Il est malhonnête. Il travaille chez les médias. Sérieux, c'est un malhonnête, ce mec. Il coupe son métier, je suis mort. Ok, les gars. C'est quoi la question? Si votre meuf ouvre un OnlyFans, est-ce que vous lui parlez encore? Allez, c'est parti. Maxime, il a 100 000 points chez Pokémon. Maxime, il va dire non, mais je monte un business avec elle. Je prends les photos carrément. Je l'aide. Vas-y, écarte tes jambes. Super photo. Attends, Crisio, t'as pas mis pas d'accord, t'as mis neutre quand en même fait, là. De base, je suis pas d'accord, mais déjà avoir une meuf, c'est pas mal, donc je vais pas non plus. Vas-y, explique. Non, en vrai, Crisio, elle commence à écarter les jambes, elle te dit prends la photo, tu le fais? Je pense qu'il y a à apprendre, c'est bon. Il y a à apprendre, mais on parle d'un buffet à volonté ou quoi là? Il a vraiment rien à manger, il prend les cacahuètes sous le canapé là. Sur la vue de Pota, tu vois, écrit, il est tout seul dans un long couloir neutre. Par contre, Maxime, simp. Sim, ouais. Moi je respecte les femmes ici, je suis le seul. Bon, je respecte les femmes. Par sa gueule. Oh non. Allez. Bon, les gars. Allez. Ouais. Les tweets de Théorus, vous en pensez quoi? Ils vous font rire? Allez. En vrai, vas-y. Allez, soyez honnête, on a dit. Honnêteté. Ouais, Grim, ouais. Par contre, Crisio, c'est pas une femme, Théorus. C'est pas une femme, hein, Théorus. Il va pas coucher avec toi, Crisio. Regardez, moi, tu détestes Théo, il est tout seul en neutre. Il voulait pas être trop méchant, il a dit bon, bah neutre. Il a commenté, il a dit bon, vas-y, je vais sortir de la gueule, connard. Ok. Tu t'en penses quoi, Grim, des tweets de Théo là? Vas-y, dis-moi. Ouais, c'est marrant, mais bon, des fois, il y a pas de chute. Des fois, je me dis 12 heures de taf, il y a pas de blague, mais vu qu'il y a du taf, vas-y, on prend. Est-ce que s'il y aurait pas l'influence de Dago dans ces tweets? sans Dago, c'est là-bas. Hein. Dago vers le Ghost Rider. Et Crisio, t'en penses quoi vu que toi, t'as le plus d'abonnés sur Twitter de la Cacabox? Les tweets de Théo, bah c'est bien, ils montent bien et tout, c'est sympa. Ouais, c'est pas un gage de qualité, hein, c'est pas un gage de qualité. Il a dit qu'il y a des abos, du coup c'est la qualité, si. Mais ok, Ghostwriter, c'est un banger. C'est lequel ton tweet préféré de Théo écrit? Je pense celui avec Astérix Obélix. Il a précisé il y a deux jours, il s'en rappelle même plus des autres. Celui sur quoi t'as dit? Celui sur Obélix, il a dit au hasard. Celui sur César là. César. Il a lu le tweet, il l'a passé. Celui sur le football là, je l'ai adoré. Ok, question. Oh, on est honnête, ok? On est honnête, pas de blague, pas de. Honnête. Honnêteté ici. Trouvez-vous Sardoche intelligent? Allez, c'est parti. Non. En vrai, si on est honnête, je pense que ça va, quoi. En vrai, c'est neutre. Intelligent, quoi. Être intelligent. Des fois, il est très débile, mais il y a des fois, vas-y, il est smart quand même.
Ouais, genre, ouais, vas-y. Ouais. Dis... Allez, c'est bon, vous avez fait. Pourquoi tu trouves qu'il est smart, Grim? Vas-y, dis. Il trouve pas. Oh, l'avocat pourri. Parce qu'il fait des maths. Ah ouais, voilà. Si. Un jour, il a tweeté voilà. 1 plus 5 fois divisé par. Oh, il a utilisé les fonctions. Oh, vas-y, Maxime. Maxime, à quel moment il t'a prouvé qu'il était intelligent? Vas-y, dis-moi. Moi, j'ai jamais dit intelligent, j'ai mis neutre. J'ai mis normal, quoi. Genre, je pense pas qu'il est le génie qui dit, je pense juste qu'il est normal, quoi. Ok. Et j'ai mis neutre, j'ai pas dit écrit, d'accord. Écrit ou... super con, pourquoi vous pensez qu'il est complètement débile? Je suis le chef. En fait, de base, il est normal, mais c'est juste que le fait qu'il se prenne pour un génie, ça rend débile. Ouais, c'est vrai. C'est le chef des harceleurs. C'est vrai que du coup, ça crée un déséquilibre. Bah oui, le fait qu'il se prenne pour un génie, ça rend débile, genre. Je vois que là, eux, ils en ont plus rien à foutre. Lui il s'inquiète encore, mais il l'a quand même tabassé. Théo il dit à une embrouille près, ça va, il va rien faire. Eux ils safe parce qu'il sait qu'il a une commu de suceur. Ah ouais, on va se faire harceler après. Pff, le pauvre petit bro, le roi des échecs. La Sardoche Family va arriver contre toi. Arrêtez, ça du démon. Arrêtez la Sardoche Family. Ok, ça celle-là elle était pour Terra, il est pas là. Trouvez-vous le rappeur Ico rincé? Je sais pas qui c'est. J'ai jamais écouté. Arrête le rap. On doit être d'accord s'il trouve rincé ou bien. Ah, c'est pas celui qui a. Trouvez-vous rincé, d'accord? Pas d'accord. En gros, il a un son, ton refrain, c'est bien la preuve, c'est bien la peur qu'il est tout pourri. Personne ne le connaît. Il est nul. Non, mais. Attendez, je vais vous mettre du Ico là. Mais juste fort, dites-vous, est trop fort. Dites-vous, ce type a fit avec Just Riad, hein. Ico, je vous rappelle, il fait rimer salsa avec caca. Tu m'as convaincu, voilà. Grim. Il fait rimer caca avec coca. Vas-y, dis-moi un son, Grim. Mais juste, mais caca, tu mets le refrain, le reste. Caca, il s'appelle, il a un son qui s'appelle caca. Oui. Non, mais c'est les sons de la caca box, là, par contre. Regarde, Mota, je t'envoie. Non, mais les filles a fait un meilleur son. Voyons voir, écoutons ça. Allez voir le. Écoutez juste le refrain, coupe après le refrain, s'il te plaît. Mais c'est ça, mais copyright-moi, bouffon, on aime pas tes sons. Allez. Vas-y. Là, tu cherches, là, quand même. Et strike le live, c'est moi, potato, je te déteste. Ok, c'est de la salsa, là. C'est Ico, le rappeur préféré de Terra. Hein. Non, m'appelle pas Pablo. Allez, hop, là, j'ai moi, c'est Ico. Allez, hop, j'ai mon avis, maintenant. Ça va, pour l'instant, je trouve qu'il y a pire. Ouais, moi aussi. Je suis pas une rose. Ça va. Mais il y a pire, mais il est pas rincé à fond. Mais il non, mais quand t'auras écouté ses rimes. Quand t'auras écouté ses rimes. Quand il y a la concurrence, c'est juste un rappeur. Quand il fait rimer Israël avec Bagel, j'ai tout de suite dit non, stop. C'est pas moi, c'est les paroles, Théo. Israël et Studio Bagel quand même. Allez, stop. Allez. C'est... Merci. Moi aussi, je fais caca, il a dit. Ouais, il a dit. Il y a que des paroles comme ça. Ah, je suis mort. Bon, Ecrisio, t'es le seul défenseur de ton rappeur de merde. Il est trop fort, mais j'ai un peu de gueule, là. Tu es trop fort, s'il te plaît. Ecrisio, il met des baladeurs MP3, là. Vous me prenez parce qu'il n'y a pas Terra pour me défendre. Mais parce que Terra, tu... Mais Terra, il écoute deux sons dans sa vie, il va pas me dire ce que... C'est comme Tibro qui me dit que les affranchis, c'est bien, c'est... Oui, c'est très bien, mais bon... D'ailleurs, non, c'est pas un meilleur comparatif en vrai. Ouais, c'est vraiment bien. Voilà. C'est vraiment bien. Ouais, j'ai vu hier le chat. Allez, s'en fout. Bravo, Grim. Ok, j'ai une double question. Léa, vraiment, honnêtement. Okay. Dans votre fond de votre pensée, c'est pas genre il y a blague ou pas. Trouvez-vous que Samuel Etienne est un criminel? Pensez-vous qu'il c'est un criminel? Vraiment, au fond de vous, vous y pensez vraiment? Ah, vraiment? Bah oui, j'ai dit honnête. Ouais, vraiment. Ok. Quoi, tu penses pas que c'est un criminel? Mais non, c'est pas un criminel, vous êtes malade. Moi, je veux dire, je pense vraiment que c'est un criminel. C'est vrai qu'il a kidnappé Dagobert. Maxime, tu penses vraiment? Tu penses? C'est quoi tes preuves que tu penses? Je pense que il nous cache des choses sombres. Notamment l'épisode avec Dagobert nous a montré qu'il était. Oui, je suis d'accord avec toi. Et tu sais quoi? Allez, je vais dans ton et truc. En fait, t'as vu Pota, quand il a répondu au tweet de Dago en disant ah c'est marrant. C'est oui, exactement ce que c'est le Zodiac qui appelle la télé et qui dit. C'est exactement ça. C'est mal Zodiac, c'est mal. Cette réponse Dago. J'ai vu aucun tweet, frère. Et pourquoi neutre vous en pensez quoi là? Parce que moi je me dis il est bizarre, mais vas-y, fais question pour un champion quand même. Mais il est bizarre. Ah ouais, d'accord. Ah ouais.
Eh ben oui, d'accord. J'en connais d'autres hein, qui ont fait des émissions télé et qui sont pas top top. Hein. Ouais, j'en connais Patrick Porvo d'avoir présenté le JT, mec. Hein. Il a reçu des filles aussi. Christian Quesada est le meilleur maître de midi. Maxime, allez. Maxime, je vous rappelle l'anecdote. Il est allé au jusqu'au de midi là. Avec Christian Quesada. C'est vrai. Il n'y avait pas Christian. Si, 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 il était là. Il était là, t'as fait le duel avec lui à la fin. Je vous jure, ils sont galoches à la fin. Et vous, vous y pensez pas, bande de merde là. Bon, désolé, c'est je prends pas parti normalement. Vous y pensez vraiment pas, moi. Oh là là, la honte. Non, mais je pense que. Bah, et l'autre, il dit si, il va donc pas d'accord. Genre, il a tué un mec. Mais quoi ? Il a tué un mec et tu dis pas d'accord. Non, mais je rigole. Connard. Attends, j'ai une question. Oh. Le nombre de victimes qu'il a tué cette semaine maintenant. Allez. Bon, allez, allez. De quoi ? Je pense qu'il est ouais, de deux. Deux. Comment ça, t'accuses ? Vous accusez Samuel d'être un criminel ? Deux. Deux. Regardez Grim là-bas. Il a mis une équipe de foot. Ah, mais non, mais. Non, non, mais justement, il est devenu connu maintenant. Grâce à tu. Je dis, mais je te jure, vu qu'il fait des streams, Julie Petite Framboise ne va pas lui donner des subs. Il va t'inviter sous un parking et. Ah ouais, c'est plus facile pour trouver ses victimes. Mais après, oui, hein. Bah oui. Merci. C'est merci. Ouais. C'est des subs à chaque fois. Super content, t'as plat. C'est bien. Petit chien, bah. Sale dog, t'es enfermé là. Oh bouffon. Je vais sortir un petit peu. Ok. J'ai une vraie question. Ouais, là, c'est le moment honnête. Ok. Non, là, on est honnête en full time, ok. En full time. Est-ce que. La taille de votre... La taille de votre bite vous complexe, c'est parti. Ah non. Ok, j'allais aller dans plutôt d'accord. Mais taille ça marche pas, genre. Crédio, t'as hésité, Crédio. Je vais pas être tout seul. Crédio, t'étais là, Crédio, t'étais là. Il seul, il a dit. Eh mais Théo, on l'a vu, Théo. Regardez écrit. Crédio, je te jure, il était comme ça, il a fait... ah, ils vont tous là. Bon, Écrisio, raconte-nous combien de centimètres. Elle est de taille normale, elle est de taille normale. On verra plus tard. Attends, c'est quoi ? Je vais enchaîner. Vas-y. Combien de centimètres, allez, vous êtes honnête. Comment savoir ça ? Vous êtes... Ah bah... Bonjour, je reviens. Attends, ici, c'est de 10 à 13. Arrête. Théo, sale menteur, va là-bas. Mais Théo, on l'a vu en photo. Envoie une photo. Théo, on l'a vu en photo. Il allait se mettre là, ouais, bon bah voilà. J'y crois pas une seconde que tous là ils ont 15-20. J'en crois pas une seconde. Moi, ça va, pour le mettre. Une photo après, regardez si. Regardez si tu perds quoi. Maxime, il dit rien, c'est pas vrai. Non, ouais, Maxime, il a du sang-corps, je pense. Non, c'est non, vrai, Maxime, il a un grand nez, il doit avoir une grande menteur, Thibaut. Maxime, j'y crois pas une seconde. Je t'envoie la preuve après le stream. Par contre, Écrisio, t'es là, j'en suis sûr, t'es là. T'as hésité sur la taille de votre bite et ensuite t'as voulu aller là. Je te jure que Écrisio, tout le monde serait allé là. Tout le monde serait allé là. Non, mais c'est dans les 15, moi, je pense, ça doit être. Ouais, dans les 15. En fait, c'est juste pour éminer le truc. Écris, si elle fait un doigt, c'est pas 15, je te le dis. C'est pas 15. Attends, c'est... T'as pas la notion des centimètres. C'est oh, bien ouais, sûr, mais... on est... Ah non, allez, il assume, bravo, on l'applaudit, il assume. Bravo, gosse. Personne ne l'applaudit. Personne. 10, 13, mais tu m'étonnes. C'est petit. Non, il assume, franchement, je l'applaudis. Non, beau gosse, respect, s'il vous plaît. Eh, beau gosse, on t'a. Eh, Écrisio, avec l'argent de la chaîne, on te payera une opération. Attendez, mais Maxime, l'argent là. Mais oui, parce que Maxime, il assume. C'était pour le tabasser, c'était pour le tabasser. Non, t'assume enfin. Ok, vous notez dans le chat, Maxime, 10, 13, Écrisio, 10, 13. Et là, c'est les 15-20. Ouais, sachant que Mouette est un mytho et doit être dans les 13-15. Ouais, avec la coque, il doit être à moins 8. Mais Mouette, la weed, c'est prouvé. Fait baisser la taille. Ouais. Fait baisser la taille. Non, après, je suis pas né avec de la weed dans la bouche. Au moins 3 centimes. Ok. Question 100% honnête, là. Vas-y, on reste sur plutôt pas d'accord. Avez-vous déjà pissé dans la litière de votre chat ou dans un... Ça peut être grâce. J'ai pas d'animaux. Mais genre d'un animal, est-ce que t'as déjà pissé dans le réceptacle de ton animal? Super con. Allez. Non, dis la vérité. Mais j'aime pas de chat.
Ah bah non mais genre si vous avez des poissons genre dans l'aquarium, si vous avez un chien dans ça dans un aquarium, ah, encore des poissons dans l'aquarium. Frère, dans un aquarium. Comment ça dans un aquarium, sale fils de pute. Attends mais moi tu fais quoi, ça un malade mental. Attends, la litière c'est moins grave qu'un aquarium parce qu'un aquarium c'est là où un aquarium gros, des poissons ils vivent dedans, c'est comme si je pissais sur ta gueule genre. Et toi t'es un malade mental, t'as pissé où? J'avais genre 11 ans et j'ai tué tous les poissons, voilà, c'est tout. Mais elle est toxique ta pisse, il avait bu du Monster avant. Comment ça t'as pissé dans un aquarium? Le mec il s'est dit il y avait le daron aux chiottes. Bon allez c'est bon, l'aquarium. Il y a de l'eau, ça doit être pareil. Attends, je me suis dit litière c'est soft, ils vont... Je mets aquarium, il... Non mais il est malade lui. Il a foncé. Ah oui, aquarium, c'est moi. Alors moi par contre j'ai déjà pissé dans une litière moi. Moi je suis d'accord. En vrai moi si j'avais une litière j'aurais pas fait, mais j'ai jamais eu de chat. Et pour tester, non, genre. Comment ça, pour tester? On s'en fout. Mon chat, il va dedans, il chie, il pisse dedans. Moi, je testerai une fois. Oh, mais moi, je colle pas ma bite dans la litière, je pisse par-dessus. Et après, il y a un gros flaque de pisse, et tu dis, bah, ouais, c'est, voilà. C'est Félix. C'est Félix. Et tu vois, il aurait pu rester à bout de la litière. Une grosse merde énorme. Non, c'est Félix, allez. Bon, je veux pas vous poser la question, avez-vous déjà fait caca? Je pense que c'est le même truc. Oui. En mouette, attends, mouette, t'es dans neutre, là. Mouette, t'as chié dans un aquarium. Non, j'ai juste pissé dans l'aquarium. Mouette, il a tout fait dans l'aquarium, il a couché avec une femme. Oh, les poissons, ils... ils ont tout vu, les pauvres. Les poissons, mouette, ils ont un vie. Oh, le fétichiste chelou. Tu veux voir que les poissons le voient, là? Non, mais... Regardez. Ok, les gars. Ouais. La pire catégorie porn où vous êtes branlé. Allez, 100% honnête. 100% honnête. Alors, attends, c'est quoi? Attends, mais y'a pas un truc normal juste? Non, c'est la pire catégorie. Moi, y'a aucun. Bah, Billy et Lich alors. On se met ici une neutre. Rule 34, c'est quoi? C'est des trucs de Grim. De Overwatch à poil et tout. Là, c'est le truc le plus normal. Mais Bidaili, je vais le dire. Il a dit c'est le truc le plus normal. Bah oui, frère, je préfère ça que des nains ou des animaux. Théo, c'est branlé sur une naine, ouais. Attends, c'est quoi? Ah, Dwarf, c'est nul. Stop, on arrête de bouger. Alors là, vous allez m'expliquer les deux, là. Dwarf. Ça m'est déjà arrivé. Attends, t'as veut dire, t'as eu le... Non, moi, j'ai... Je dis... Non, mais c'est pas regardé, c'est branlé dessus, genre. C'était l'époque... Oh là là. Non, fermez vos gueules, il est honnête au moins, il est honnête. C'était l'époque où Jacques Cordain était en tendance, du coup, je me suis dit, pour voir. Pour moi, tu t'es branlé jusqu'au bout, et toi, Mouette? Mouette, ça se voit, c'est un récidiviste. Non, je crois que c'était un moment où j'arrivais pas à trouver de vidéo, je suis tombé sur le truc de Dwarf, j'ai fait oh vas-y j'en ai marre. Laissez-le parler. Voilà, je me suis branlé sur un truc. Comment ça, oh vas-y j'en ai marre? Genre il a dit. Ça me saoulait de trouver une vidéo. Il a fait branler sur Dwarf, ça fait. Je suis tombé là-dessus. Genre il y a quand même 300 vidéos d'Abella Danger, t'as dit j'en ai marre de chercher, genre. Ils sont branlés sur le jeu de Zerator. Comment ça? Eh, Crisio, par contre. Mais Rule 34, c'est bien les animaux. Crisio! Mon cul, que ici. Rule 34, c'est genre curie. Non, mais le problème, c'est que Rule 34, je crois qu'il y a 300 trucs. Il y a Squeezie à poil. Léopold, il m'avait envoyé. Ah, je pensais que c'était des furies, des trucs comme ça. Si, il y a ça. Ça me dérangerait pas de baiser une naine. Non, mais on t'a rien de moi. Bah, d'accord, Mouette. Ah, bah, merci, Mouette. Merci. Je rappelle que ce mec veut devenir ingénieur. Voilà, vous pensez. Genre, le mec, il en ajoute. Attends, par contre, écris. Tout dans la vie. Hein. Écris. Mets-toi entre les deux. Je sais très bien que. Écoute-moi bien. Les tweets quand elle avait 18 ans et que t'as tweeté comme un gros porc. C'est bon, c'est la saison des pluies là. T'as dit ça là. Alors, Rule 34, vas-y, expliquez-moi ce qu'il y a ça. Explique-moi le truc. Non, y'a pas de neutre là. Si, allez. Roule... Moi, je suis sur le neutre là. Skas, Rule 34. Vas-y, dis Skas. T'as même pas mis du hentai potatoes dans les réponses. Bah, c'est ça, Rule 34, c'est tous les trucs. Il a tout fait, Mouette.
il avait sauté dedans. Moi, ouais, on va juste laisser moi discuter pour une anecdote pour chaque catégorie. T'as jamais fait fandom, c'est sûr, t'as été à faire fandom, Thibaut. Bien sûr que si, Thibaut, ça se voit, il est resté. C'est pour ça qu'il n'est pas vocal, c'est parce que la meuf l'enfermait. Mais là, tous les trucs l'attaché. Bon, on n'a pas Sardoche pour cette catégorie, dommage. Malheureusement, on l'a appelé, il a pas répondu. Non, désolé, je veux pas jouer à votre jeu, je suis pas chaud. Alors, il s'est pris en flaque. Bon, dommage, y a pas ici non plus. Dommage. Bah, y a pas Remly, quoi. Non, mais Remly, c'est Rule 34 au Minecraft Speedrun et des cubes qui se baissent là. Bon. Ah, mais oui, attendez, je continue. Ok, maintenant on fait l'âge. Votre première branlette, c'est parti. Ah, oh, bah ça doit être jeune de ouf, ça, non? Il y a moins de 10 ans, 11, ouais, 13 ans, 14 ans. Ouais, moi, je... Allez, honnête, honnête, faites pas genre les prudes là, c'est pas un truc de fou. T'es homme, j'ai fait tard. Ok, c'est bon pas, hein. Alors, on va m'expliquer, mouette. On va m'expliquer, mouette. Je crois que c'était en CM2, CM2 ou... Oui, non, mais en CM2. Ouais, voilà, CM2, truc comme ça. Attends, moi, CM2. C'est non, mais CM2, c'est quand même chaud. Ça veut dire que ton daron, il mettait des pornos sur la télé ou quoi? Va voir chier dans l'aquarium. Non, attends, je vous explique le palmarès de mouette. Il pisse dans les aquariums, il se branche sur des... Des naines, j'ai fait une ou deux fois, c'est tout. Une ou deux fois. Ah, une ou deux fois. On dirait un ministre qui dit qu'il a pas payé ses impôts là. Une ou deux fois. Une fois. Il s'en fout à chaque fois. Putain, c'est toi qui es vraiment très malade. Bon, 11, 13 ans, c'est la moyenne, moi aussi, je crois que c'est ça. Non. Bah, attends, vous l'avez fait comment? Parce que moi, je me rappelle, c'était, j'étais dans mon lit, et je sais pas, c'était mécanique, genre. Non, mais j'avais jamais vu avant, moi. Le guide du sexuel, pote. Ah, ouais. J'ai tapé femme à poil sur Google. Non, vraiment, hein, le guide du zizi sexuel, il te montrait. Ah ouais, donc le guide du zizi, c'est vraiment pour te motiver à te branler comme un chien. Oui, bah moi ça a marché en tout cas. Le guide, il te dit, bon, tu vas te branler comme un porc là pendant 2 semaines. Titeuf te le dit, donc tu le fais. Moi je me rappelle de ouf, c'était ça. Oui, tu te rappelles de ouf, ça commence à être chelou que tu te rappelles autant, tu le relis souvent ou quoi? Ah, c'est un classique, de temps en temps je le refais. C'est Maxime, il met le doigt dans le trou là, la page du trou là. Bon, 14-16 ans, ouais, c'est un peu tard quand même. C'est 13-14, ouais, c'est le début des 14 en vrai. Non, 14 c'est tard. C'est ouais. Comment que vous avez appris à le faire? Moi, je me suis craché sur Pornhub et voilà, c'est tout, frère. Non, mais est-ce que c'est genre, il y a un pote de ton. Il t'a foutu la pression, il t'a dit, tu t'es jamais branlé? Et du coup, t'as essayé le soir même. Non, mais je dis, jamais fait, écoute, je fais vas-y, je suis sur Pornhub, ouais, voilà. Aussi, c'est parce que moi, il y avait un pote comme ça au lycée, c'est un peu trop loin, au collège, il s'était jamais branlé, on se foutait de sa gueule, on disait, mais t'es nul. Du coup, le soir, le lendemain, il est venu, il a dit, c'est bon, les gars, j'y ai testé. Bon, maintenant, autre question. Au bordel. Alors là, moi, je vais être 100% honnête. Neutre, venez, neutre. Ouais. Ah oui. Dépucelez à quel âge? Et s'il y a des puceaux, vous mettez dans le noir ici, s'il y a des puceaux. Allez, hop là. Ouais. Allez, on dit la vérité. Il faut que vous soyez un auteur. Ok, 14-16 ans, explique-moi Maxime, 14-16 ans. Mathieu, je t'explique quoi? T'es le plus tôt, les circonstances. Bah, c'était fin de collège, entre les vacances entre le collège et le lycée, et voilà, il y avait une meuf, et voilà. Comment ça, une meuf? Il y avait juste une meuf? T'as pas expliqué comment t'as fait? Il y avait une meuf et je l'ai suivi. Tu veux que je t'apprenne comment on fait les bébés? Il l'a suivi! Il a pas expliqué ce mode opératoire! Il y avait une meuf et j'en dis pas plus parce que sinon il y a la police qui écoute ce live, donc Ok, là c'est normal. Super con, t'es. Allez hop! Il est où, super con? Ici. Là. Plus de 20 ans? Ici on est pur. Ok, je m'as demandé, super con, parce que c'est vrai, tu parles jamais de cul, toi. C'est vraiment. Ici on est pur, ici. Ok. Ah. 17-19, Tibro. Ah, Tibro, c'était quand tu venais pas vocal, petit bouffon. Ouais. C'est grâce à Tibro, connard. C'est grâce à Théo. Théo, c'était payé, du coup. Skas, c'est vrai? Skas plus chaud, on l'applaudit. Et il cache Écrisio en mode Écrisio, il a honte derrière là.
Mamie Crio, on n'a aucun doute là-dessus, par contre, on n'avait vraiment aucun doute. Le Maghreb Caca Box, c'est pas grave, Crio. Ouais, c'est vrai, ça écrit. C'est pas grave. Eh, les plus dans le chat, c'est pas grave. Bon, Billy Elish, si tu veux aider Ecrisio à passer un cap, c'est maintenant. Parce qu'il fantasme sur toi. Bah, j'attendais qu'elle soit majeure. Du coup, attends, t'as quel âge, Ecris? 21. Bon, allez. 21. Il a 25, super con, personne. Il a 34. Skas a 34 ans, c'est un coomer. Ok. Attends, c'est lequel celui-là? Ok, vous aimez, j'aime ou j'aime pas? Vas-y. On va commencer soft. Les fumeurs de bœufs, vous en pensez quoi? Les fumeurs de bœufs là, tu sais? Ouais, j'en ai rien à foutre. Ça, y'a pas un, ça dépend. Mouette. Ouais, ça dépend quel truc, mais. Oh, ça dépend, tu me fais chier, tu veux que j'ajoute plein de variations, genre, ça va, le lundi. C'est en mode, y'en a, ils fument juste. C'est pas grave, y'en a, ils fument toujours. Ouais, devinez, quelle surprise! Il kiffe! Ouais, je suis honnête. Ok, vous, y'a rien, vous. C'est quoi, ça dépend, vas-y, explique, Green. T'as en gros, je te dis, c'est qu'en fait, il y a deux types de fumeurs. En gros, il y a ceux qui font un podcast là. Tranquille, il y en a sur des matins. Oh putain, la white cush là. Genre, moi, ouais, mais moi, je parle de ceux-là, moi. Non. Ah, ouais, bah non. Ah, bah ceux-là, c'est carrément. J'aime pas ta gueule alors. Non, allez, remettez-vous normal. Vas-y, ça. Maxime, tu es fumeur de bottes, t'en penses quoi là? Bah, j'aime pas trop. Parce que j'aime pas du tout ça. Mais après, si c'est vraiment comme il dit Grim une fois de temps en temps, vas-y, c'est juste j'aime pas. Mais si c'est les mecs 120. Ce qui est trop drôle, c'est que je vois la face cachée de Maxime derrière Skas qui va dire une dinguerie. Vas-y, Skas, dis-nous ce que t'aimes pas. Vas-y, Skas, t'en penses quoi, toi? Est-ce que j'aime pas mouette en fait? Ah bah tiens, je te rejoins dans cette zone, on est cool ici. Oh mouette! Ok, là c'est qui détend? Oh, Ecrisio. Ça me fait tousser quand il fume à côté de moi. C'est juste pour ça, tu détestes. Oh, la coche là. Dans d'accord. Les... Voilà, il déteste les gens parce qu'ils toussent à côté de. Voilà. Bon, bah, merci. Ça me fait tousser la cigarette. D'accord. Et moi, je déteste par contre. Allez vous faire foutre là. Tous ceux qui sont des fumeurs de bœufs dans mon chat, vous dégagez. Okay. Bon, alors. Alors, j'ai. Qu'est-ce que vous pensez des streamers à Malte? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai un avis. Moi j'ai un avis aussi. En fait, j'ai un avis. En fait, c'est complexe. Que j'aime pas, genre. Ouais. Il est temps de dénoncer, monsieur. Il est temps de dénoncer. Ok. Yaer, Théo, Yaer. Oh. Alors cette suceuse. Théo. Oh, ils vont pas t'inviter, Théo. Bon, super. Con. Théo, Yaer. Vas-y, dis. On parle avec David. Dis super con. Pourquoi Yaer? On sent Carlo Dion. Il a 600 ans. Pourquoi vous aimez pas vous? Hey, vas-y Tibro, vas-y. Moi c'est pas le fait d'aller à Malte que j'aime pas, c'est juste les gens qui y vont et le fait de dire ah non mais c'est parce qu'il fait beau en ce moment. Lounder King. Je suis pas qu'ils vont pour l'évasion fiscale. Bravo, voilà. Potin, move Théo. Eh pourquoi? Ah ouais là-haut, pourquoi il est parti? C'est pour ça qu'il répondait pas quand t'as parlé. Okay, t'es beau, Théo, pourquoi Yaer? Pourquoi Yaer? Mais je sais pas c'est quoi la question. Les streamers à Malte. Ah, j'aurais dû lui poser une autre question. J'aurais dû. Ok. Non mais la vérité c'est parce que ils vont à Malte et après quand ils auront un pépin physique ils vont aller à l'hôpital pour se faire soigner. Oui, en France. Bah oui. Avec leur petite carte vitale, ils auront été révoqués. Pas vrai, le clear. Allez. Skas, tu détestes? Dis-moi. Gros, ça fait 10 ans que je cultive des patates. Leur. Puis ils font des vlogs comme ça. C'est chiant. Hein. Des patates françaises. Évidemment. Ça c'est truc que j'ai à Malte. Toutes leurs communes, les françaises, ils vont à Malte, ils remplissent. C'est pas grave, c'est pas grave. Oh, vous êtes. Eh, les gars, vous êtes aigris, hein. Franchement, vous êtes aigris. Allez. Si, à la limite, ils assumaient, pourquoi pas, mais c'est... en plus, ils vont genre. Voilà. Oh, est-ce que vous. Il y a de la plage. Alors, arrêtez. Connaître. Prochaine question. Alors, c'est au présent et au futur. Est-ce que vous aimez ou vous aimeriez vous faire bouffer le cul par une femme? C'est parti. C'est le rime job, monsieur. Mais moi, le mec qui bouge pas.
Non, non, soyez honnête. Moi, je suis honnête. Vas-y, moi, t'aimerais, moi. Tu penses que. J'ai déjà fait, j'ai bien aimé. Ok. C'est quoi la sensation que ça t'a fait? Vous l'avez déjà fait? Bah, en fait, genre. J'ai commencé à me sucer la meuf, et après elle est descendue sur mes boules, et après elle est descendue sur mon cul, et moi je m'y attendais pas. Et genre c'était. Il est trop précis! Très surprenant. Fabien Olicard, Fabien Olicard! Ouais, j'ai une question, t'as le trou de balle rasé ou c'était la forêt d'Amazonie? Ouais, c'était rasé. Ah, ah mais vas-y! Oh le mytho, C'est un peu il avait laissé des petits morceaux de cookies, des pépites. Des cromoles. Il y avait des cromoles bois. Maxime, t'as testé ou pas? Ah, après, c'est son problème, là. C'est pour ça que je vais pas là. C'est parce que je dis j'aime pas dans le doute, mais si ça se trouve, c'est une dinguerie. Bah, ouais, moi, je pense que c'est une dinguerie, mais voilà, j'ai pas envie de me mettre à quatre pattes. Voilà, c'est ça la raison. Le truc, c'est que. Ouais, y'a rien qui va dans mon cul. Sur quelle voie la forêt d'Amazonie? Y'a rien qui va dans mon cul. Non, mais des fois, je regardais pas. Non, je me dis, mais le mec, il est en quelle position là pour se faire bouffer le trou du cul là? Arrête, sérieux, arrête! Relève-toi, mon grand! Terra, pourquoi t'es là? Ok. Très bien. Qui a déjà testé là dans tout cela là? Non, pas moi. Parce que. Y'a que moi en fait. Non, je veux pas dire, je déteste si t'as pas testé en soi. Ouais, bah j'aime pas alors. Bah oui, mais bon. Je peux pas dire je déteste. Je dis autant c'est une dinguerie, mais. Moi, en vrai, je sais pas. C'est pas parce que Joël le répète 50 fois que je vais le faire en fait. C'est pas mon patron. C'est pas lui qui va me dire ce que je vais faire. Mais en plus, non, attends, c'était Al Capote qui disait dans le Radio Sex. Non, c'était Joël, tu sais, il était en mode I'm job. Oui, mais parce que Joël le bouffait. Al Capote. Parce qu'Al Capote, il a dit. Ah non, ouais, Al Capote, il se fait bouffer. Ouais bah Al Capote, t'as vu la gueule du mec, ça se voit qu'il a tout vu, il a plus rien dans son âme, mec. Il a baisé 8 naines, c'est bon, là. Ok. Ok, maintenant, vous allez répondre honnêtement. C'est dommage qu'il n'y a pas Terra pour celle-là. J'ai peur. Les jeux de Zerator, qu'est-ce que vous en pensez? Les jeux vidéo de Zerator. Ah, les genre Dwarf et tout, ok. Moi, j'ai pas joué, du moi, coup. Ouais, j'ai pas non, joué non. Plus. Non, Dwarf, c'est pas une catégorie, hein. C'est un jeu. Attends, juste rappeler, est-ce que vous pouvez rappeler les jeux de Zerator? Dwarf, Asphar, Asphar, Asley. Pour le jeu de mots, juste pour le jeu de mots, j'aime pas. Ok, bon, moi, j'ai un avis pour ça après. Le dernier, le troisième, jamais joué en salle de ça. Oh, il a bidé un peu. Non mais attends, il y a aussi le en truc mode, de... les autres ils ont réussi. Il y a aussi le si tu le vois et que t'as pas envie d'y jouer, c'est que bon voilà. Ouais bah j'aime pas. Moi j'ai pas envie d'essayer parce que je suis. Un studio hier, qu'est-ce que tu penses? J'ai jamais joué, je vais pas être de mauvais esprit de dire que j'aime pas, j'ai jamais testé ces jeux. Écris quand tu vois Dwarf, tu dis oh putain j'achète. J'avoue je suis avec écrit, je suis d'accord avec écrit, j'ai jamais testé. Mouette t'aimes pas Dwarf? J'ai jamais regardé ce qu'il fait. Ça a l'air de la merde quoi. Bah moi j'ai regardé des streams, ça a l'air tout pourri. Ok, super cool, qu'est-ce que tu voulais me dire toi? Tous les streamers qui ont joué, ils ont kiffé, c'est juste des mythos, c'est des gros soucis. Ouais, voilà, ils sont là genre, ouais, trop bien. Là, on vous a vu, hein, bande de mythos. Ouais, merci, c'est un super jeu. C'est vrai, il a encore tout dit. Ok. Alors, j'en ai une dernière. ça, c'est juste pour calmer mon chat. Et pour éduquer mon chat, l'imotlule. Allez, vous dites tout ce que vous en pensez là. Allez, se casse, vas-y mon ref, on est là. Elle est incroyable. Avec le minuscule, hein. Moi aussi j'ai un avis, moi aussi. Attends, mais c'est l'imotule. Elle est incroyable. Avec le U minuscule dans le chat, hein. Pas l'autre. Ouais. Non, mais l'imotule, la grosse là, des streamers, bande de cons. Oui, ah, voilà. On parle premier degré, pas sarcastique, c'est pour ça que je comprenais. Mais oui. Ouais, bah voilà. Premier degré, non. Là, il parle de l'imotlule, général, premier degré. C'est quoi ton avis, super con, t'as dit? Ouais, moi aussi, c'était pour ça. Genre, je l'ai mis juste pour me foutre de la gueule de ceux qui. Ouais, c'est ça, pareil. Ouais, pareil. Quand c'est sarcastique, c'est trop drôle, mais quand c'est premier degré, oui. C'est-à-dire c'est une blague c'est de merde. Pourquoi vous êtes sarcastique? Qu'est-ce que vous pensez de cette emote? C'est quoi? Donc, quand j'ai dans le chat, il a hyper QZ, voilà. Ouais, voilà, c'est Queen, fils, quoi. Tu sais, quand ils la mettent alors qu'il y a un truc pas drôle, genre, il a juste dit bonjour. Ouais, voilà, bonjour. Un peu cher. Mais regardez, écrit je suis sur quoi il y a R. Oh, il a 45 ans. Non, mais l'imotlus, ah, c'est comme XD, ça peut à chaque être fois drôle, que tu l'utilises, tu gagnes 20 ans. Oui, non, mais il a rien compris. Il y a un potentiel dans les mots. Il comprend rien, mais tu comprends rien. Mais il y a un potentiel dans les mots, c'est ça que je veux dire. Bon, allez, lui. Si, justement, genre quand c'est un truc pas. Ok, vous êtes 100% honnête là. Ok. Attends, c'est une nouvelle catégorie, Comment vous trouvez-vous physiquement, de votre point de vue? Alors. C'est parti. Non mais honnête. Honnête, vraiment.
Attends, actuellement. Ouais, ouais. Vas-y, non, il y a mes vaches et tout. Dans aucun beau. Tête d'homme, je reste en beau. Mais arrête, Grim, arrête avec ta coupe, tu peux pas dire ça. Tu peux pas mais dire je te jure, eh, bien coiffé et tout. Ok, donc là, on a les coucans. Là, des mecs pas très en confiance. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a un lien entre le fait de ne pas se trouver beau et entre le fait de si votre sœur ouvre un OnlyFans. C'est bizarre quand même. Il y a les mêmes deux personnes, mais bon. Non, mais non, moi j'étais pas d'accord. Bon, si tu te trouves pas beau, Ecrisio ? Tu te trouves pas beau, c'est ça ? Mais c'est pas mon atout, mais j'ai d'autres atouts. Voilà. C'est quoi tes autres atouts ? C'est quoi tes autres atouts ? C'est quoi tes autres atouts ? Je peux pas les. Sur ton Twitter. 300K abonnés. Attends, mais. C'est vraiment que ça. Hein. Je rêve où Maxime il s'est barré là pour la question là. Non, je suis là. Bah réponds, réponds. Je fais tout petit, regarde. Maxime, tu te trouves pas beau. Bah j'ai perdu le concours, hein. Peu importe où je vais me faire vanner. Non, je suis pas dans beau, j'y t'assume. Non, mais non, non, Maxime, j'avoue, je suis disgracieux, vas-y. Non. Le mec, il s'enfonce, il trouve des adjectifs horribles. Disgracieux, là, il allait chercher. Je suis à vomir. Je suis moche, sa mère. Coupe tes cheveux. Après, j'ai d'autres trucs, je suis charismatique de ouf, mais je suis moche. Non, les gars, par contre, on peut pas aller de la fraude. Sinon, il fait quoi dans ton. On va parler de la fraude. De mouette volante que je vais TP tout de suite. La meuf à Terra, Eh, mouette, à chaque fois, son gage de qualité, c'est la meuf de Terra m'a trouvé beau. Si elle avait pas normal, dit ça, normal. Si elle avait pas dit ça, il serait ici. Quoi, donc niveau ouais, physique, elle a pas des critères de ouf. Oh, il est même pas là pour répondre, dommage. Il met pas. Dommage, il est pas là pour répondre. Il est pas là pour répondre. La fin de Maxime okay. Dans la cacabole. Tibro, tu te trouves beau, je me permets d'en douter. Bah ouais, je me trouve beau. Ouais. Peu importe la vie du peuple, moi je me trouve beau. Moi je suis d'accord. C'est qui le plus beau? C'est qui que vous trouvez le plus beau? Mais vous Maxime, j'ai fait, parfait. J'ai fait, j'ai tout fait logiquement. Et super con, t'as fait, tu te trouves super beau, toi. Le narcissique de merde. Beau gosse de ouf. Ouais, bon, j'aurais dit non, moi. Ok. Maintenant, je vais vous dire des noms. Voilà, maintenant, je vais vous dire des noms. Bon, c'est la même catégorie, du coup. Attends, c'est celle-là. Hop. Alors, je vais dire un premier nom. Théorus. Vous le trouvez comment? Bah, allez. Là, du coup, hein. Il est dégueulasse. Théorus. Ok, Théorus, c'est entre beau et beau gosse, ça s'use bien, bravo. S'il était pas gros, il serait beau. Oui, mais ça n'a rien à voir, c'est le comportement, ça, toi, t'es débile. Mais c'est un porc humainement. Le mec, on dirait les meufs qui regardent les films de Polanski, et elles disent, j'ai bien aimé le film, mais c'est un gros porc dans la vraie vie. Bon, maintenant, Flygo. Aïe, ça baisse de niveau. Entre les deux. En fait c'est con. En fait c'est qu'il y a le degré de bah il est assez gros donc on peut pas voir si. Non mais à son prime, il est frais, il a un petit. Non truc, non un petit peu de vélo et peut-être que. Il est mini. Il est sur coco.fr l'autre. Mal quand même. Alors moi quand une meuf disait je suis mini, je pétais un plomb. Ok, bon bah Flygo t'as ta réponse. Moi j'ai mis beau. Ok, super connerie maintenant, honnête, même s'il est là. Honnête. Attends, super connerie de maintenant, il est beau, super connerie, il y a 3 ans, il était éclatant. Casse tes zips là. Ah ouais, ça c'est vrai. Ok, ouais, super. Maintenant il est stylé. Super connerie, il y a 3 ans, allez on l'a refait, super connerie. Il y a 3 ans, il y a 3 ans. Oh la honte, se casse. Oh et le protecteur. Ok, hey, arrêtez d'être gentil. Allez, les filles. Désolé, les filles, maintenant, en 2022. il est entre les deux, il est mieux maintenant quand même. Chauve, ça lui va bien. À mouette, il a pas hésité. Par rapport à la big calvas. Là, son vertex va les lâcher. Tu n'aimes pas? Il répond pas. C'est pas mon style. Non, mais c'est pas ma question là. Ok. Ah ouais, pardon, excusez-moi.
Grim Cujo. Sur classique. Hein. Grim Cujo. Ouais attends, très vu en fait. Mais non, maintenant là, maintenant. Maintenant. Oh la salope. Oh la salope. La dernière image qu'on a de lui là. Ah ouais. Eh, tu coupes les cheveux. Grim, tu t'en rends compte que Flygo avec 50 kilos de plus, il te nique. Genre ils étaient tous là. Je vous jure, c'est juste mes vœux, j'étais déconné. Revenez. Super connerie, t'en penses quoi de sa gueule là? Avant, on dirait un beau gosse américain maintenant avec ses cheveux là, il ressemble à rien. Je te jure, il cache des trucs dans ses cheveux, on dirait Marc Simpson là. Dégradé, c'est vraiment son prime là maintenant, c'est la décadence. Son prime. Ouais, revenez, ouais. Non, par contre, arrête, non mais lui il est con. Non, mais je sais que c'est trop long. Il faut que j'aille couper, mais j'ai la flemme. Mais non, mais tout à l'heure, on te dit vous trouvez comment physiquement, tu te dis beau. Et là, je te dis Grim, tu te dis beau gosse de ouf, le mec s'améliore. Mais t'es une merde, toi. Elle sait qu'il n'y a pas des points à la fin, hein. Ça va pas contrebalancer toutes les conneries. Ok, Terracide maintenant. Allez, c'est parti. Il est pas là. Normal. Pareil. Entre beau et pareil. Que des beaux gosses dans le match. Ouais, normal. Moi, j'aime bien sa permanente. J'en connais un qui veut se faire réinviter au Manhunt. Allez, super beau, Terracide. Très belle marque de vêtements. Oui, très musclé. Ok, maintenant, Remly. C'est parti. Oh là là, allez. Non, ça va. Moi, je reste pareil. Il est incroyable. Non, mais écrit, tu veux le sucer là. Mais c'est mon style de gars. Ah ouais, tu m'étonnes, l'autre. Beau gosse de ouf. Oh, moi, j'aurais mis. Beau gosse de ouf, arrêtez, beau. Mais des fois, il a l'air. Des fois, avec ses yeux vitreux là, on dirait un débile. Quand il est pas beau, il est dégueulasse. Mais quand il est pas beau, c'est un gros con, c'est tout, c'est juste un gros con. C'est une grosse merde. Attends, ouais, maintenant je prendrai streamer au hasard maintenant. Au hasard. Non, je vais vraiment faire au hasard. Je vais aller dans le truc de. Roulette. Je vais aller. Non, mais allez, Sardoche, on sait très bien écrit, on sait très bien. Fais pas l'innocent. Beau gosse. Attends, je vais dans le Discord Squeezie. Tu scrolls comme ça au pif. Scroll rapidement et arrête-toi. T'as dit quoi, mouette? Ouais, mais attends, y'a pas assez de gens. Hein. Rien. Alors. Scroll en haut et en bas, genre. Mais y'a pas assez de membres. C'est les meufs qui jouent des acteurs, sauf que nous on est des gars. Mais non, de ton avis. Ok, Bifresh, c'est le moment de vous faire des ennemis. Bifresh. Ah, alors. Je vois ce qu'elle sent. Oh, mouette, qui prend des risques. Oh, Bibi, t'entends ça? Mouette, te trouve pas beau. Mouette volante, l'homme à zéro viewer. Moi, j'ai juste à voir ce qu'il a sur sa casquette, frère. Et on sait très bien ce qu'il a sous sa casquette. Il cache. Il a un vertex de niveau 6. Imagine, il a des waves. Il a une cara. Il a des locks. Ok. Bon, c'est à peu près classique. Putain, j'essaye d'en trouver un. Ok, Xari. Désolé, hein, mais. En vrai, on fait deux. Genre. Vraiment, l'autre il a vraiment fait ça. Il a dit bon, bah désolé, hein, mais bon. Là, y'a pas le choix. Non, mais il est vraiment banal de banal. Ah, Maxime, il va le croiser dans les couloirs. Oh, Maxime, pas beau. Bah, en vrai, ça va se faire. La calvasse, t'as dit quoi, écrit. Le cache-feu sur le caillou. Mais ouais, c'est ça le problème. Sur le caillou. Il est dans le déni. Il a dit sur le caillou. Après, non, je vous jure, il a raison de s'accrocher, frère, parce que Xarichou, c'est là-bas. Hein. Bah, on sait pas, on n'a pas vu son crâne. C'est comme Jiraya, mec. Jiraya, il était mieux. Jiraya, avant les cheveux, je me disais, oh, quand il va se raser, il va être trop rigolo. Et après, quand il a rasé, ça va, il était pas mal. Oui. Il est mieux rasé. Il est mieux, bah oui. Il ressemblait à Gollum là, avec ses cheveux. Bon, allez, on change de moche, on passe à autre chose. Allez, de mode. Argent. Oh bordel. Question simple. Beau gosse de ouf. Combien à peu près gagnez-vous par jour? Par jour, hein. À peu près. Par jour. Comment ça, par jour? Vous avez par bien. Par jour, attends. Par jour, rêve. Attends, je calcule, entre les deux là. On sait pas, hein, il peut avoir des streams lucratifs.
Attends, oh, super con, par contre, t'es un gros menteur. Attends, je calcule. Fais ton truc YouTube, du moins. Vas-y, Mouette, raconte-nous comment tu gagnes 200 entre. Ah, bah, il baisse quand je pose la question. Non, je pense que c'est là. Attends, je recalcule. Vas-y, explique-moi. Je sais pas, par jour. Par jour, je sais pas. Il a le bitcoin, il a la crypto-monnaie. Bah, ouais, c'est la crypto. Mais bref. Le bitcoin, ça fait. Le bitcoin, ça te fait 200 par 500 par jour. Potin, il va investir à la fin du stream. Ça dépend des jours. J'ai un petit doute quand même. Jour par jour, c'est. Ah, là, c'est bon, là, je suis bien. 200 par jour, ça fait 6000 hein, quand même. Hein, c'est immesurable. Maxime, avec les streams plus la Webizia. Je suis au SMIC, hein. Ça fait à peu près 1500 si tu additionnes tout. Oui, mais ça fait combien par jour? Bah, 1500, ça fait 500 fois. Ça fait 1500 à la fin du mois. Non, mais par jour. Bah 50. Ouais, je pense là. Ouais. 50 arrête plus les streams. Allez, mets-toi là. Eh, viens là. Mais jamais, mes potas, ils jamais de vie. Mais non, 50 par jour. Hein, ça fait mais je sais. Ah ouais. Mais moi, je me dis que Maxime, il a le salaire plus les streams. Bah, ça fait le SMIC plus 300 euros de stream. Ça fait 1500. C'est pas Gotha, frère. Et toi, et du coup, Leclerc, qu'est-ce que tu fais ici, du coup? Les impôts, t'as pas besoin? Ok, c'est pour savoir. Bon, ben, on a des pots, vous voyez, à Cacabox, à part moi. Voilà. Mais moi, je suis sûr, il est ici. Hein. Moi, j'en suis sûr, il est ici. Non, parce que c'est un millionnaire en 5 ans. Attends, Pota, ouais. Pota, t'as pas répondu. Ouais, vas-y, Pota, mets-toi. Moi, je pense que c'est l'entre ici. Par jour. Mais attends, mais tu gagnerais avec YouTube, là, comment ça se fait? Non, mais écoute. Il y a Julie petite framboise. Après je calcule pas aussi hein. Moi je suis pas terrain à regarder les analytiques tous les jours hein. Oh, soyez pas trop jaloux les merdeux. OK, maintenant je vais vous poser des questions sur des catégories. Combien d'argent avez-vous mis dans les jeux vidéo? Genre jeux vidéo c'est les ça peut être les packs FIFA les skins et tout. Ouais, allez, bah, allez, vous avez mis combien? Oh, les Yanclars! Les jeux, ça, les large. Ouais. Ok, écris, t'as mis quoi entre 200 et 500? Moi, ça doit être 10 000. Depuis que je suis petit, je craque tous les jeux, genre, je craquais tout. Non, mais la vérité, c'est qu'il a mis que. Oh, le rabbin des bois. La vérité, c'est qu'il a mis entre 200 et 500 parce que sa famille a pas d'argent, c'est tout. Mais oui, quand j'étais petit, je voulais pas me les acheter, je devais tout craquer, genre. Mais t'as mis quoi entre 200 et 500, du coup? Tous les jeux Steam, genre Winter Project. Ouais, c'est vrai que les jeux Steam, putain. Je sais pas combien j'ai, moi. Ok, super con, t'as mis. Oh, ça c'est WoW. Oh, t'as mis plus que ça dans WoW, arrête. C'est 60 euros l'abonnement. Mais même, son PC coûte 6000 euros. Non, non, c'est les jeux vidéo, ça n'a rien à voir. Ah, ok. Bon, bah. Oui, non, Grim, t'as mis genre... quoi? Bah, en gros, mais attends, c'est les jeux achetés ou achats in-game en mode genre des trucs tout, FIFA? Mais tout. J'ai acheté des jeux et j'ai dû mettre 500 balles dans LOL. Ouais. 500 balles dans l'or. Après, en vrai, quand j'étais petit, j'avais un forfait bloqué. Tout ça pour être Stock Silver, oh putain. Oh là là. Ok, Théo, t'as mis dans quoi? Justime et skin CSGO aussi. Pas non. Les skins SK, ça te connaît aussi, on les a vus, tes skins de merde. Il y a pas de catégorie plus 10 000 euros, c'est pour ça. Déjà, rien que sur Fortnite, j'ai dû mettre 300 balles. Oh là, on oh, par contre, Fortnite là. Oh, il s'est acheté le skin Travis Scott. Oh là, on t'en genre, les premières années, je me ruinais sur Fortnite, hein, vraiment. C'est mais pas gros, possible. Tu sais, si tu mettais 10 000 balles, tu passes de combat chaque mois. Mais Maxime, il s'en fout, il a 20 millions sur son compte. Mais j'avais aussi tous les skins qui sortaient, les trucs. Oh, Fortnite, et toi, Mouette, attends, Mouette, je veux savoir là. Oh, bah, moi, c'est Justim et Skin CSGO aussi. Drug Dealer Simulator, hein, c'est là où il a mis. Et les skins de Rocket League. Non, mais moi, j'ai et Super Con, Super Con, si en clair, vous savez combien il met dans haut là pour jouer 3 mois 60 euros, ce bouffon. Ça veut dire, il repaye son jeu de chaque 3 mois. Ça fait 7 mois, j'ai pas joué. Mais vous êtes vraiment des et franchement, WoW, c'est le jeu de plus c'est trop grave. Le pire, c'est qu'il paye encore le pas 60. Et tout ça pour aller faire chier Enjoy Phoenix. Hein. Il a repayé l'abonnement. Parce qu'à un moment, Enjoy Phoenix, c'est pour rappel, elle faisait. Vas-y, dis-le, dis-le. Elle faisait un live sur WoW et Super Con Escas, ils ont dit viens, on va la raid et on va la faire chier. Ils ont. Je sais pas, Super Con, je crois, il a repayé l'abonnement, ce débile. C'est une retour, vous les voir normalement. Pour prendre son dragon et la suivre. En plus, je crois qu'il s'appelle Super Connerie. Ok, maintenant dans les saps maintenant. Oh bah, je reste ici hein. Moi je ne pense rien du tout moi.
Mouette, je te crois, vu tes jeans, je te crois. Mais non, en tout, c'est 1000 balles, wesh, en tout. Bah ouais. Bah non, mais à partir du moment où c'est vous qui avez payé. Si, oui, de ta poche, si t'es ta mère. Non, mais de ta mère. Ah bah. Les chaussures, en vrai, ça fait beaucoup. Chaussures, ça ah ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Les chaussures, les pulls, les frocs, c'est bon, les salles. Ça, ouais. Là, on a Karl Lagerfeld là-dedans. quel genre de truc t'as acheté des. Sapologie. Des chaussures. Ah ouais, les sapologues. Tout ça pour aller une avant-première de ça et avoir la honte sur la photo, hein. Avec Sofiane le geek. Hey, tout ça pour l'avant-première de ça, Sofiane le geek, il soit mieux habillé que toi quand même. Il avait tellement bouché. Oh, regardez là, c'est les clochards là, on s'approche des clochards. Et les pauvres. Bon alors. Moi, ça fait pas longtemps que je vis tout seul. Super con, il est fait lui-même, genre les fabriques. C'est un youtubeur, super con. Moi, j'ai ma tête avec lui. J'avoue, super con, il porte les trucs des Deotunes, c'est Terra là. T'as jamais acheté de vêtements, mais arrête de mytho. C'est pas vrai, c'était pour la blague. Ah. Non, attends, moi, t'as jamais acheté. Non, 200. Moi, on les achète les vêtements. C'est un sugar daddy ou quoi là-haut? Non, mais il gagne plus que ses darons et il se fait encore payer ses cacahuètes. Non, mais du salut pour prendre les vêtements. Il va au resto du cœur là. Deux paires de chaussures. Oh putain, une jean pas chère, 10 balles. Bon, c'est bon. Et toi, Tibro? Bah, moi, ça fait pas longtemps que je vis tout seul. Donc en même temps, tu m'étonnes, Tibro. Il peut même pas payer l'électricité. Si Tibro vient pas, c'est parce qu'il paye pas l'électricité. C'est Julie Petite Framboise qui paye la facture. Maintenant, un don à un streamer. Combien vous avez mis? Un don à un streamer. Sub ou don? Don, ça compte. Don. Zéro. J'avais mis 30 balles, je crois, c'est tout. Oh, le suceur. Oh, putain, Hey, je vous dis, si Flygo serait là, c'était ça pour Wonky, là. Je vous jure. Il reverse tous ses salaires chez Wonky, là. Je vous jure, il se fait payer. Flygo, il se fait payer chez Terra. Il redonne, après, il donne 30%. Chez Terra, ok, jamais de plus de 50 euros, genre Z Event. Z Event. Oh les radins, pour la croix rouge. Je crois que j'ai jamais fait de don de ma vie, hein. Ouais, même pas de sub. Non, si, sub. Sub prime, gratuit. Voyons voir sub. Non, ça bouge pas. Non, j'ai jamais payé un sub de ma vie, hein. Mais moi j'ai déjà payé, j'ai déjà payé. 50 balles au moins, je pense. Moi, le seul mec où je me suis sub, c'était Kamel. Et si j'étais sub un an, donc ça fait même pas 50 balles. J'étais même pas sur Twitter, je me suis fait offrir genre 10 mois. Entre les deux. Si, ça fait 60 euros. Putain, j'avoue, ça fait. En vrai, sub maintenant, ça fait que 60. Quoi? Twitch Prime, Wi-Fi du voisin. Ok, dernier truc. Oh là, vous êtes honnêtes, les petits cons là. Je sais ce que ça va être, je crois. Les petits cons. Un cadeau à une meuf. Des cadeaux à des meufs. Non. Des cadeaux à des meufs. Allez, après, on est honnête. Après, voilà. On est honnête. Y'a pas 50 cents. J'en étais sûr. Mais regardez, j'en étais sûr. J'en étais sûr que c'était un mec. Un cadeau d'un coup. Théo, le pire, c'est qu'il a fait des cadeaux, mais qu'il a baisé avec une escorte. Moi, c'est logique en vrai. Ouais, c'est logique. 3 ans. Pour les 3 ans de ma meuf, on a fait un voyage. Attends, mais cumulé. Voyage où? Voyage. Attends. Bah, cumulé. Ah, cumulé, ouais, mais c'est là. Vas-y, Maxime, c'était quoi le voyage? Ça, c'est mon gag. On a fait plein de trucs. Ouais, on a fait Italie. Ouais. Après, on a fait des petits trucs genre Disney, mais tu sais, avec l'hôtel et tout, ça fait comme ça. Ouais, Crisio. Attends, David, c'est que j'ai fait. Forcément, c'est plus que 200. Bon, bah, ouais. Donc là, je vous montre la colonne des puceaux ici. J'ai jamais rien offert à mes mamans. Moi, ici. Moi, c'est ici. C'est quoi ce radin, wesh? C'est quoi, Tibro, ton cadeau, tes cadeaux là? Je sais pas, des vêtements, des... Bon, allez, va ici, c'est mieux. Mais non, la vie de ma mère que non. Grim, c'est quoi? Je sais pas, wesh, bijoux, des trucs comme ça. Ouais, voilà, des trucs comme ça. Et Théo? Bah, même des bijoux, trucs à la con. Et toi, arrête de faire genre, Ouais, je ferai la famille. Mais la famille, c'est pas ta meuf. Mais il bah, on sait pas. Eh, moi, je le dis, j'étais... J'avais offert ça, c'est mon plus gros cadeau de cuck de Off All Time. J'avais offert un polo Lacoste. Tu vois, les customisés, j'avais mis le nom de la meuf
imprimé, tu sais. Oh, le coq. Voilà, mais bon, ça fait longtemps, donc... Et d'ailleurs, il va te faire enculer, sale connasse, va. Elle a gardé le polo, hein. Non, non, c'était ma première meuf. Bah, évidemment qu'elle a gardé le polo, tu crois que je suis allé chez elle le brûler, sale malade, va. Moi, je l'aurais repris. Oui, 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 oui. Le mec, il ose pas dire... Il ose pas dire bonjour à une meuf, il va me dire ce qu'il va, faire, va. Ok. Attends, Pota, j'ai une question. Ouais. Est-ce que c'était la dernière question relative aux vêtements ou pas? Parce que sinon j'en ai une autre. Vas-y, dis ta question qu'on on peut la poser. Hein. Mais alors faut être complètement honnête. Hein. Ok. Est-ce bah... que vous pensez honnêtement, objectivement, sans parler de ami pas ami? Mais c'est quoi? Attends. Ok, bah j'aime pas. Oh vas-y. Hein? Comment ça? Les vêtements tranquilles. Est-ce que ça vous en pensez quoi? Moi j'aime bien. Ouais, la dernière collection est trop bien. Elle est bien. Genre la dernière collection elle est bien, mais celle d'avant je suis pas fan. Le truc russe là, Empire, c'est trop bien celui-là. Ouais, moi russe là. De toute façon, j'avais dit à Terra les trucs de 3D là, bleu rouge là. Ça, je trouvais que ça rendait très mal sur les vêtements. Moi ça dépend. En fait, ceux où il y a les tronches, les boncules, bon. Voilà. Ceux-là, non, mais ceux-là ils sont trop vieux, frère. Ceux-là, il y a que Flygo qui les achète, je te jure. Par contre, la dernière collection avec les designs, franchement. Moi j'aime trop avec la casquette là. Avec la casquette hélicoptère. C'est un classique. Vous pouvez la cop, les gars. Wankill Shop, hein, bien sûr. Ouais, .com. Ah non, FR. Ok. T'en avais pas une, Skas, là, avec l'argent ou tout à l'heure tu m'as dit j'avais une idée de ce que je vais dire. Ah non, j'ai une idée de question. Bah quand j'ai dit. J'ai une idée, pota. Attends, c'est pas vrai, une idée. C'était quoi? Les chaussures. Bah ouais. C'est les sables quoi. Non, mais après il y a les t-shirts, pulls et tout. Là, juste pour les chaussures. Là. Vas-y, les chaussures, on va. Attends, tout cumulé? Cumulé, les chaussures cumulées. Ah, cumulé, ok. Cumulé ici, hein. Attends, en vrai, ici ou ici, hein, je sais pas. Ici, oui, là, je pense. Vas-y, je me mets entre les deux, je suis pas sûr. Moi aussi, vas-y, je suis là, je pense. Super con, il porte des sandales. Je marche bien, il a les chaussures de Naruto, là, en bois, là. Après, vous rigolez, mais les chaussures de montagne, ça coûte 150 balles, des fois. Ouais, c'est sûr, les mandals et tout, là, ça coûte cher de ouf. Donc Marton. Moi je m'en rappelle. Bon, Écrisio, c'est quoi tes chaussures? Mais c'est des chaussures, j'en ai acheté deux paires. Tibro, tes chaussures? Moi c'est des Puma X truc, je sais pas c'est quoi. Et elles t'ont coûté 200? Non, mais t'as dit cumulé. Pour une chaussure. Non, ouais. Non, il a dit cumulé. Une seule chaussure. En tout. C'est cumulé, wesh. Grim? C'est tout cumulé. Bah, je sais pas, moi j'ai bien les chaussures, j'en ai acheté plusieurs, c'est tout. Mais pas mille, je sais pas jusqu'à 1000 balles. Je tape, fils de pute. Lui, il est abonné à Camino TV et il. Vas-y, Théo, c'était quoi là? Non, mais comment ça, père? Je les revends, parce que moi je les revendais. Ah ouais, mais lui, c'est de la triche. Et là, honte, c'est lui qui vous vole vos pères, insultez-le. C'est moi qui vous vole vos pères. C'est lui qui. Oh, regardez les gros yeux. Oh, il y a un villageois de merde là. Va le tuer. Mais il monte ses chaussures, attends, je les monte. C'est bon, j'ai fini, elles sont trop belles. Attends, je vous montre. Vas-y, remonte. Arrête. Yo, Drew. Oh, regardez le gros mollet. Arrête. Arrête, enlève ça, frère. Incroyable. Ah, ça pue, ça chemoute de là. Voilà les chaussures des Crisio, elles ont l'air pas très belles. Non, mais franchement, sur le stream, elles ont pas l'air très belles. Ok maintenant, Uber Eats, l'argent que vous avez cumulé sur Uber Eats, voilà. Là, vous avez payé des trucs, allez les gros porcs. C'est quoi cumulé? Oui, toutes les commandes que t'as fait. Oh mais moi Pota tu sais. Oh là, regardez ces porcs qui cuisinent jamais là. Mais ferme-la, je sais pas moi, je cuisine chez moi, bouffon. Non mais tu sais très bien que je cuisine jamais. Mais t'as pas honte? Oh, ça se voit, ça. Le bide de merde. Eh, ouais, va avec Julia Bayonetta manger des McDo, sale crado. Crado. Et Crisio, c'est pareil. Eh, ton daron, il fait pas des plats des fois, là. C'est pas de ma faute. C'est l'entreprise, tous les mois, il me donne. Oh, Amine Morito, là, ton daron, là, il ne fait pas des plats des fois. Mais ce cas, c'est super con, c'est juste parce que ça vit pas chez vous, je suis sûr. Ouais, mais non, c'est parce que. On habite dans une forêt. Mais même si j'habiterais. Non, c'est pas possible. Ouais, j'aurais pas même, il y a chez nous. Ouais, moi je crois pas. Pota... Jamais commandé ici. C'est un chef cuistot. Je transpire des oreilles. Non, mais c'est que ça va vite en plus, 200 balles. Bah ouais. Oui, bah 200 balles quand on commande McDo tous les jours, Théo.
Et Mouette, Mouette, c'est quoi, c'est ouais. Uber Weed, c'est quoi le. Voilà, bonne show, là. Super. Super. Alors si c'est pour la weed, alors c'est là-bas. Ouais, ouais, oh là là, c'est trop grave. Là, 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 on y croit. Hein. Il est content. Ouais, on a aucun doute là-dessus. Il est fier de lui en plus. Hein. Il la répète. Il est content. C'est pour le crack, il va jouer là-bas. Alors, le crack, on est là. Là où tu pour l'héroïne, là-bas. Allez, c'est là-bas. Non, arrête, arrête. Nouvelle catégorie. Vas-y. Drogue. Drogue. Elle est où, drogue ? Ici. Venez au milieu. Venez au milieu. Alors, la question, c'est la pire drogue que vous avez essayée. La pire. C'est du rouge au vert. Il y a quoi ? Mais il n'y a pas rien du tout. Il en manque une. Il en manque une. Attends, c'est quoi là-bas ? Non, mais regarde-la, allez. Il en manque une. Il n'y a pas la MDMA. Il manque la White Cush, putain. Il n'y a pas rien du tout. Il manque la Skywalker, man. Non, va là-bas. C'est la weed, hein ? Non, non, du genre la pire, c'est la weed pour toi, arrête un peu. Le mytho. Mais ça le mytho, ça le mytho, moi. J'ai testé une fois la MDMA. Eh ben oui, mais c'est le jeu en gros, allez, va là-bas. Mais y'a pas la MDMA. Eh ben tu vas en. Mais la MD, c'est un dérivé de l'Exta, non ? Bah voilà, c'est bon, on fait pas. Ah ok, bah Exta, c'est pas genre, fais pas genre le mec qui connaît pas, il connaît toutes les formes de drogue au monde. Je savais pas que c'était. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui ? Attends, comment ça ? Quoi ? J'avais rien essayé, moi, même pas l'alcool. Ah bah va dans weed là. Vas-y. C'est pire, oui. Bah ouais. C'est pire. À quel âge la weed vous là ? 16, 15, 16. Avec Crisio, avec ouais, au lycée, ouais, voilà. Mais ouais, super con, il est même pas musulman. 18, 19 ans. Non. Ouais, enfin toi t'es tombé dedans, moi. Donc, Attends, Crisio, t'es musulman ? Bah oui, j'ai jamais rien essayé. Oh putain, il va dans alcool et weed. Oh putain. Il a dit ouais, c'est ce qu'il dit Pete. C'est le ramadan. Ouais, c'est ce qu'il dit. Scoufa. Oh, tu l'as revendé combien, Walter, là ? Combien, sérieux ? C'est ce qu'il dit Pete. Dégage. Attends, MDMA, mais t'es vraiment un clochard, hein, quand même. MDMA, mon gars. Oh, j'ai testé une fois, c'était pas ouf. Attends, mais t'as testé LSD ? Non, MDMA. Mais c'est la même chose, c'est les mêmes effets. Ça fait quoi, MDMA ? Vas-y, fais un peu. Moi, ça m'avait juste rendu contemplatif et calme. Contemplatif. Ah ouais, contemplatif. Contemplatif, le mec. On parle d'un film de David Lynch, là. Ça m'a rendu extasié devant tout. Je m'extasiais devant tout, voilà. Un peu raplapla. Un peu what's up. Ok, ouais. Je suis très content qu'il y ait personne dans Hero ou Cocaïne, je suis très content. Ouais, ouais. Mais Héroïne, en même temps, c'est normal, je pense. Bah, moi, ça m'aurait pas étonné que moitié. Attends, attends, je vais juste porter un héros. Non, jamais testé ça. Terra, tu rigoles, il serait là, hein, j'en suis sûr. Pota, t'as déjà testé la weed, je pense. Oui, c'est tout. C'est tout. Ouais, jamais voilà. Touché à l'alcool, moi, je suis prude. Non, jamais. Mais en mode, c'est un truc de fou, j'ai jamais touché. Non, mais le vin rouge, t'as jamais bu du vin rouge. Non, j'ai. L'odeur me dégoûte. Trop bon le vin. Ouais, on est d'accord. Une bière par exemple. Non, bière. L'odeur, mais ça ne m'intéresse pas l'alcool. Moi non, mais la classe, la classe. Mais en vrai, l'alcool, moi je trouve que c'est pour ça que je l'ai mis ici. C'est pire que la weed, genre c'est. Ouais, bah j'aime pas. Ah ouais, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah, je suis d'accord, ça. C'est une pire drogue que vous croyez trop, c'est une drogue. Ouais, bon, moi un petit peu. Si tu en bois tout seul, faut arrêter, hein, c'est bon là. Ah, mais au cas où. Moi t'en bois tout seul. Tu vas que l'alcoolisme. Ah oui, ok. Bon, la drogue, c'était juste là, j'ai pas d'autres questions avec ça. Ouais. Ok. À part, qu'est-ce que vous avez mis dans le verre d'une fille, par exemple, Mouette ? Vas-y, dis. Qu'est-ce que vous avez vendu ? Quoi, quoi ? À part du sucre, Mouette. Ok. Maintenant, catégorie caca-box. Un peu de ouais. Caca-box, si vous étiez, genre, obligé de le virer, genre, je vous avais pas d'autre choix. C'est maintenant. Attends. Attends, y'a qui ? Ouais, je suis pas dedans. Vous êtes obligé. Ouais. Non, faut être honnête. Vous êtes obligé. Celui que vous étiez obligé de le virer. Bah, moi, ouais, celui. Ouais, c'est lequel arrête, Théo. Bah, réponds honnêtement. Honnêtement, je te le dis. Non, arrête. Ah, non, t'as pas le droit de voter. C'est vrai. On connaît le prochain à virer. Non, arrête, dis honnêtement. Moi aussi. Bah, moi aussi, je m'entends bien avec tout le monde. C'est juste les filles, je suis le moins proche avec lui. Ouais, c'est ça. Genre, parmi les 5, si j'ai quelqu'un. Bah, Théo, je vais t'enlever du coup. Attends, on va voir ce que tu vas répondre du coup. Si vous avez envie, on le vire. Oui, oui. Allez, tiens, Théo. Remplace par quelqu'un d'autre. Mais j'y crois pas. C'est bon, Théo, c'est pas une dinguerie là. C'est pas grave, mais juste que je veux virer aucun des 4. Okay, mais c'est le jeu. Je sais, mais c'est le jeu. T'es obligé d'en virer un, même si. Oh, c'est pas grave, il va pas t'insulter après. Changer là. Potin, j'ai une idée.
Attends, je réfléchis. On vire Théo et on ramène Redus. Pas super comme idée. Allez Théo, tu sais quoi, je réfléchis. Non non, je sais Théo, il veut aller dans Maxime, mais il ose pas y aller parce qu'il est là. Bah non. Bah vas-y alors, c'est pas grave. Oh les dingueries. Il y a quand même pas mal de Luffy. C'est où personne Flygo. Remli parce qu'il a battu mon PV. Super con, personne. Maxime, personne. Flygo et Crédio. Bon, Luffy, Luffy, il y a une soirée ici. T'as pas voté, pota. Bah, moi, c'est Luffy, hein. c'est la même chose. Moi, j'ai pas peur comme Théo, moi. Mais juste Théo, c'est pour moi, les 4, je les aime bien. Oh, bien avec tous, c'est celui avec qui. Non, mais Théo, Luffy, on l'aime bien, les Théo, on l'invitera plus pour un jeu de non-honnêteté, hein, c'est catastrophique. Putain, là, je réponds honnêtement, ça va. Oui, mais des. On est à une question, je peux au moins être un peu sensible. 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 Ok, ok, ok. Ok. Juste question pour de. Juste question. Le plus gros, juste pour savoir. Flygo. Let's go. Oh. Sully, genre vous avez un mec qui a passé une soirée avec. Pas de sexe, hein. Genre, ils sont paraissés une soirée. Bah, après, voilà quoi. Ouais. C'est parti. Y'a plus Théo Russe. Je voulais voter Théo Russe. Ah, bah, y'a plus Théo Russe. Ouais, Maxime. Moi, je pense Maxime aussi. Je suis le coach de Flygo. Incroyable. Super connerie, tu veux passer une soirée avec Flygo? Ouais, moi, je vais lui faire perdre 30 kilos. Il fait lui faire que des pompes. Je vais pas mentir. Non, mais une soirée dehors, genre. Hein. Oui, même comme ça. Je te jure que Flygo dehors, moi je suis pas sûr qu'il soit. Mais bon, vous faites ce que vous voulez. Oh Maxime, bon choix Maxime. Personne avec moi. Remli, mais Remli va pas parler. J'ai peur de pas rentrer. Ah donc toi tu veux juste aller en soirée avec Remli parce qu'il va être torse nu toi. Bah ouais. Toi t'es un gros pervers sexuel toi. Moi je vais pas se faire avec Remli, il est trop drôle. Non, moi en vrai de vrai, si j'avais le choix, il y avait tout le monde, je pense j'aurais dit Théo ou Grim. Ouais, mais c'est vrai que Grim il est sympa. En plus, vu qu'il est. Vu Grim, c'est un petit. Un quoi? Un petit mec gentil, va me payer tout, donc c'est cool. Il est millionnaire, on le rappelle. Hein, il trahit sur les médias. C'est le premier bourge métis. Ok, maintenant, on passe sous le casque. La minorité que vous avez plus vanné de votre vie. C'est parti. Ok, attends. Asiatique, gay, noir. Juif, dur, hein. Arabe, la minorité que vous avez plus vanné. Je te jure que c'est difficile de choisir. Oh pote, ouais. J'ai pas assez de pieds, pote. Non, mais c'est la plus. T'as pas compris la question, super con, c'est le plus vanné, genre. Attends, mais moi, il y a tout. Bah non, il y en a bien une que t'as le plus vanné. Ouais. Ouais, là, je pense. Moi, je sais pas. Ouh, Tibro qui va se faire des ennemis. Tibro. Ah non, je voulais dire là. T'es sérieux là? Non, mais t'es dans Juif. Et alors? Ok. Il y en a qui ont pas froid aux yeux ici. Vas-y, Didi. Ta gueule, toi! Mon père Pan est juif, du coup, voilà quoi. Tu seras jamais. Bah oui, moi aussi. Ah oui, ça c'est la famille cul, j'ai un ami juif. Ok, d'accord. Bah moi j'ai un ami noir pour le coup, donc. Super connerie. Super connerie, ça compte pas, c'est ta propre. Allez, tu changes. Tu changes. Tu attaques ta propre race, mon frère? Non, allez, change, c'est ta propre. Si, et Crisio, pareil, tu changes. C'est ta propre. Allez, et Crisio, c'est terminé pour toi. Je suis entre deux là. Il veut pas répondre honnêtement. Allez, maintenant, tu fais ton choix. Mais c'est vraiment les Arabes que j'ai vanné. Oui, mais c'est ta propre truc, genre, c'est trop facile, genre. Je suis dans des quatre autres. Les quatre autres, y'a quoi? Y'a pas les Indiens qui genre... partent. Allez, Écrisio. Oh là là, Écrisio, dis la vérité, c'est ici. Non, c'est ici que ça se Les Asiatiques. Ouh, Marie Palo. Elle va pas être contente, hein. Elle va pas être contente. Mes meilleurs potes, ils étaient chinois, c'est honteux, je les ai que. Mais ils vont arrêter avec son. Eh, j'en peux plus de votre truc, mon meilleur pote, là. Cette excuse. Mais on se va dans le c'est vrai. Tu perds contre, c'est les gays? Perds contre, t'as pas honte, les gays? T'as pas honte, sérieux? Y a ça. Non, mais super con! La question, c'est la plus! Genre, c'est pas demandé! Mais si, t'as bien vanné le plus un truc, genre! Pauvre con, bah! C'est là-bas, les Arabes!
Bon, allez, lui il est con, lui il est débile. On va passer à autre chose. Pourquoi on n'a pas le droit de vanner les Arabes? Maxime, quelque chose à dire? Puis on dit le B. Bah non, tu vas m'engueuler, mais moi c'est la même chose que Grimm. J'ai ma scolarité, j'étais avec un pote à moi qui était juif. C'est tous le pote. Et moi, il y avait un juif au lycée. Il était blond aux yeux bleus, donc je faisais masse van sur lui. Voilà. Ok. Attends, faut arrêter de lui donner la parole. Tibro, c'est le seul. Pas trop honte en ces périodes difficiles. Mais non, mais faut j'ai la même excuse que tout le monde. Tu fais ça devant moi, t'as pas honte? Bon, bah ouais, bah, y a moi, toi, par exemple. Moi, c'est ici, bah, je suis pote avec King Chris, donc voilà. Mais attendez, moi, j'ai vraiment joué que King Chris sur LoL. Moi, je suis pote avec Grimm ici. Bah, moi aussi. Allez. Ah, maintenant, une autre question. Vous pensez? C'est la même truc. Quelle minorité vous déteste le plus, genre sur Twitter ou sur des trucs? Attends, enlève ça. Celle qui vous déteste le plus. Avec Terra, ça aurait pu être marrant. Ouais, aussi. Moi, il... Terra ici, ouais. Genre vraiment, celle que vous pensez, vous aime pas, genre. Les homos, ils me kiffent. Ah, ouais, moi, je pense aucune, mais. Bon, arrête. Y a aucune, hein. Je sais pas en vrai. Y en a bien moi, une. Moi, je suis friandise, je pense, donc. Bah, vu ce que t'as dit tout à l'heure, je crois qu'il y en a une qui t'aime moins que l'autre, là. Tu sais, moi j'étais pas. Les gays, bon, Ecrisio, ça me paraît logique, c'est un putain non, de. Je suis dans toutes les blocklists, je sais pas pourquoi. Des LGBT. Ah, tu sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, j'ai rien fait de mal. T'as pas honte. Ok, Ecrisio, on va faire la séquence. Tu vas t'excuser devant tout. Devant tous les homosexuels de France. Bon. Maintenant. Alors, excusez-moi, je sais pas ce que j'ai fait pour vous blesser. Voilà, mais... voilà, il s'excuse. Il a des baisers. Il s'excuse. Merci. Bon, je crois que c'est tous les gays là. Bon, bah voilà, c'est tous les gays. Mais ça, c'est à cause de. Vous dites trop souvent le. Et toi, c'est les Arabes? Pourquoi ils te détesteraient? T'as vu les suites attentats que j'ai fait et tout? Ah oui, c'est vrai! C'est vrai, il dessert à la communauté. Je suis en train d'enterrer mon pote. Il attaque vraiment sa propre race. Ok. Il se marre en plus. Mais il est content en plus. Il est content en plus. J'ai pas d'autres questions avec ce truc, je crois. Merci. Si non, c'est bon. Ok, dernière question. Dernières questions, après j'en ai plus. Après, si le chat en a, on verra ce qu'ils disent. On va tous se faire lever à 6h demain. Vas-y. Je jure, là, ils nous décèdent sur Twitter. Ok. Ok. Merde, je vais où? Oh non, j'ai fermé le bleu. Ah non, c'est bon. Nombre, c'est les nombres. Hop, nombre ici. Oh non. Le maximum de branlettes par jour. Maximum de branlettes par jour. Allez, honnête. Honnête. Ceux qui disent plus de 2, vous allez dégénérer là. Théo, je sais la réponse, mens pas. Tu l'as déjà dit, et il y a le stream Rocket League sur Kakavox TV. La VOD, tu le dis. Je vais regarder le mytho là. Ok, 2. Mais super con, ça m'étonne. Théo, super. Je crois que c'est là. Super con, ça m'étonne pas parce que c'est un putain d'asexuel ce mec. Je vais jouer pour Léopold. Long, hein. Maxime, t'es jamais allé à plus de 2, Maxime. Mais potache, je me demande comment on peut faire plus que 2 là. Mais oui, c'est une. Mais bah, parce que. Mais il n'y a plus envie, il y a des fois, c'est le sexe. Vous avez fait 7, c'est vous. Mais regardez-moi, c'est Théo. Mais Théo. Il y a des journées qui sont très longues. Ouais, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que. Bon, les gars, il y a un totem. Les journées font 24 heures. Les gars, écoutez-moi. Il y a les mêmes gens à chaque fois dans. Si ma sœur ouvre un OnlyFans, je lui offre le plus de cadeaux. Et combien fier, de branlettes par jour? 3. Je respecte. Y a le totem. Je respecte. C'est vrai, est-ce que tu te branles 3 fois par jour que tu respectes une femme? Ça n'a rien à voir. Tu sais qu'il y a des meufs, elles se touchent, je suis sûr, 7 fois. 7 fois, je te le dis. Mais elles peuvent faire. Bon, Tibro, oui. C'est souvent que tu te branles 3-4 fois par jour? Non, c'est arrivé une fois 3. Skaz, pareil. J'ai la même chose. Une quoi. Et Grimm pour. Et Grimm, ça vient de sa culture. Non, mais Grimm, arrête un peu. Tu veux que je raconte? La bite dans le tir. Ouais, vas-y, raconte. Il y avait 2 semaines de pause, il y avait une journée, il n'y avait rien, personne, tu vois. Bah. Moi, c'est une journée comme ça, ouais. Oui, il y avait la cacabox, donc t'étais en vocal. Mais non, c'était en 3ème, frère. J'étais pas en 3ème à cacabox. Et il y avait un mec avec toi, tu m'as dit? Non, j'étais chez vous. Ok, alors 5, 6, ça commence à me faire peur, y'a personne. Non, ça, bon, ça. 7, 9,
Mais ça, c'est vous êtes vraiment des malades mentaux. Mais ouais, vous êtes des malades. 7-9 7-9, on dirait le JT là sur M6. Là, c'est. C'était la weed, mouette. Coomer professionnel. Alors, mouette, explique-moi. Explique-moi là, le 7-9. Bah, il y a des jours où t'as rien à faire pendant les vacances. C'est la weed. 7 Bah, voilà. En fait, mouette, il se branle, il prend un truc de weed, il oublie qu'il s'est branlé, il dit putain, c'est reparti. Attends, Théo, toi, tu prends pas de weed. Ouais, c'est comme ouais, tu mets ça là où il juste. Imagine avec son frère à côté, il est obligé de faire ma clé. Non, 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 c'était des étés où il y avait personne chez moi. Seul, oh putain, oh, là, 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 on a un monstre sexuel là. Et quand Nicki Minaj, elle dit je veux un mec qui veut baiser plusieurs fois par jour, vous l'avez, Nicki, il est pour toi lui. Je vais rentrer, je m'échauffe. Non, mais il est monstrueux. Mais qu'est-ce qu'il fait l'autre? J'ai d'avis. Oh, il renifle. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, t'es en train de se branler. Ok, ok, ok. Combien. Eh, moi je suis honnête. Combien de meufs slash hommes baisés jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à le début de votre vie? Bon, bah. Bah, j'ai mis homme, on sait jamais là, c'est bon. Les filles l'ont remis tout là-bas. Combien de relations sexuelles avec une femme ou un homme? On peut pas casser la vitre ici. Sexuelle. Attends, de relations sexuelles ou de de relations, enfin de femmes avec qui on a une relation. Tiens, ce cas, c'est colle-toi ici. On l'a juste baisé, quoi. C'est pas la même chose, je suis d'accord avec Thibaut, c'est pas la même chose. Mais je crois que c'est le nombre de femmes avec qui on a une relation. Bah oui, le nombre de femmes. Oui, bah après, t'as dit le nombre de relations, après, c'est pour ça. C'est sexuel. Que t'as eu avec différentes femmes. Bota, tu dis qu'en soi, on a plus en couple, frère. Mais non, combien de femmes différentes, putain. Il comprend rien, lui. Moi, je me colle au mur. Deux, là on n'a pas des Don Juan là. Don Juan. Oh, c'est pas voilà, Icrisio, super con. Bah, du moi, coup, moi c'est une. Bah, du coup, super con, t'es puceau. Bah, c'est pour autre chose, bah. Casse la vitre, on passe à côté. C'est ouais, il y a aucun complexe ici. Hein. Alors, on a les Don Juan. Super con, il dit qu'il est puceau pour faire le personnage. Il est pas mouette, puceau, mouette. C'est tout. Ouais. Mouette, 7-9, vas-y, explique-moi. Dis-moi les prénoms. Dis-moi les prénoms. Alors. Ah là, voilà, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est ici, c'est ici, mesdames. Mais je vais pas dire, en mode c'est Virginie, Sandra, si je peux te dire des. Mélina, Julie. Dominique. Arrête, Dominique. Quoi? Et dis pas. Mais regardez, regardez, non, monsieur. Pota, non, 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 pota. Monsieur, je me trouve moche. Monsieur, je me trouve moche. Non. Il y a un truc que les gens savent pas. J'ai 24 ans, frère, heureusement que. Pareil, j'ai 24 ans. Bah attends, mais super con, il a 25 ans. Mais super con, il s'est un mytho, il fait exprès. Non, alors, super con. Il fait ça pour avoir des meufs dans les DM. Il a, non, il... super con, il est asexuel. Mais. Si tu le connais. Tu le connais pas. Eh, monsieur, regardez ce monsieur. Je me sens moche, je me trouve pas beau. Bon, 45 meufs à mon actif. Mais pas du tout, pas du tout. Oh là là, le malhonnête, le malhonnête. T'es vraiment un porc. Non, mais c'est des. Les meufs, cancellez-le parce que là, c'est bon, j'en peux plus. 24 ans, ça fait un par an, pas plus. Allez, une. Un par an. Oh les gars, nouvelle question, 100% honnête. Ok. 100% honnête. Et attends. C'est pas le. Avant d'y aller, je vais vous dire. Combien de jours sans se laver? Et il n'y a pas le la truc de vacances là. Vous mettez genre vous étiez chez vous, vous pouviez, vous aviez le choix genre. Ah oh, mais non, mais non. Combien de jours sans se laver genre? Regardez écrit. Combien de jours sans se laver? Je sais que j'hésite hein. Je pense que c'est deux hein au moins. Non mais au moins deux. Ouais, moi deux. Tu sais genre deux, un bon gros deux tu vois genre. Ouais un sacré deux. Non mais. Un bon deux qui va jusqu'à 10. Non mais tu vois le 2 où tu laisses passer la journée aussi tu vois. C'est 10 jours. Non 10 jours j'y crois pas. Mais 10 jours j'y crois pas. Non mais écris vraiment. Non fermez-la. Écrisio, explique-moi. J'ai passé des deux semaines sans me laver quand j'étais petit, c'est rien, t'es petit, t'es un enfant. Non, mais tu peux pas, non, c'est impossible. Écrisio, Écrisio, il y a des chiffres. LOL, League of Legends, Billy Eilish. Osu. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Attends. Super con, 5-6 jours. Ouais, c'est beaucoup quand même là. Oups. Ouais. C'est une période de ma vie, je jouais beaucoup à World of Warcraft. Oh, oh Gotaya. Oh la vache. Oh putain. Est-ce qu'elle s'arrête de bouger là? Prends un truc. Genre. Je suis là, Ouais, moi je suis de. Mouette 3-4. À quelle occasion, Mouette? Il y avait quoi?
La weed, hein. Franchement. Non, il avait, je te jure, il avait oublié. Il n'y avait pas d'occasion. Ah, si tu prends le truc des vacances, ça va loin. Vas-y, mais les vacances, combien de jours sans se laver avec les trucs des vacances? Là, je suis là. Ouais, les vacances au camping, c'est chiant les douches. Pourquoi tu montes? Mais les vacances, il a dit. Attends, quoi? Ah, quand on se lave pas pendant les vacances? Quand t'as pas le même accès à l'hygiène. Je comprends pas, parce que quand tu touches pas pendant deux jours, tu pues la mort, et il y en a, ils ont fait 5-6 jours, ça les a pas dérangés. Après, Maxime, en vrai, il y en a qui puent pas de la mort, genre, c'est le corps. Le corps, c'est comme ça, et la transpiration, tu sais très bien l'histoire de la transpiration, qu'il y a des gens qui transpirent avec une odeur. Allez, Pota, t'es où, toi? Moi, quand je suis chez moi, c'est ça, et par contre, alors là, les vacances... Non, mais... Ah, mais c'est quoi ce truc de je me lave pas en vacances? C'est quoi cette histoire? Je t'explique ce qui s'est passé. Oh, les croûtes aux couilles. C'était CM. Non, c'était 6ème CM2. Les douches étaient horribles. C'était genre, on devait. Il y avait pas d'eau chaude déjà. Et c'était dégueulasse dans l'eau. Genre, t'avais un petit bassin avant pour te baigner. Je sais pas, c'est les douches de piscine. Moi, je l'assume, j'ai pué tout le voyage et j'ai joué au foot tout le voyage. Il y avait un tournoi de foot. Oh, c'est dégueulasse, parce que j'ai Eh, je me collais au joueur, je dis, eh, dégage, passe-moi le ballon, je pue là. Casse-toi, je sens le bouc, moi. Salut Terracide, tu veux répondre à des questions? Ça va? Alors Terracide, on fait genre de. On va reposer les questions, Terracide, si tu veux. Arrête, plus 10 jours, c'est énorme. Ramène. Ouais, 10, plus 10, c'est énorme. Ça va, du coup, GPB, donc on peut y aller. Ah. Oui, là, et laisse la question, pota. Laisse la question là. C'est une seule question. Ouais, je vois, il va dire combien parce que lui. Il faut qu'il se connecte. J'ai mis le. Il va être 1. C'est une version de Minecraft. 1.16.5. Faut que tu casses. Oh, le chat, si vous avez des questions drôles à poser, c'est maintenant. 1.16.5. Ouais, bon, bah, y'a rien. C'était rapide, hein. Question. Pote, après, je te pose une question, pote. Mais vas-y, dis. Non, dès qu'il y a Terra qui se connecte. Hop, je rote. Attends. Et l'IP, c'est pareil que d'habitude, c'est le truc à Cabo. Bah, c'est celle où on est 10, quoi. C'est celle où il y a 10 personnes qui s'embrassent. Bon, bah, demandez direct, c'est quoi la taille de ta bite? Bah, 48 cm. Allez, je vais dans la non, c'était pas la question. Alors, attends. Il est là ou pas? Il a pas joué encore. Attends. Il est à côté, faut le TP. Ah mais il est pas sur le serveur du tout. Je suis pas sur le serveur, qu'est-ce qu'il raconte? Il est cool, lui. Caca box. Ok, je suis à côté. Salaire, on a déjà. Ok, c'est bon. Attends, on va refaire un truc. Ah, il y a un truc, combien de bagarres, il y a un truc là. Ah, bah merde. Oh. Attends, on l'a refait, regarde Terra. Ça, je me suis bagarré, ça. Ça, je me suis bagarré. Attends, on fait la question de... d'avant, là. C'était quoi? C'était... La douche. Combien de jours sans se laver quand vous êtes chez vous? C'est maintenant. Aïe. Attends, déjà fait ou en moyenne? Non, en moyenne. Non, le nombre de jours. C'est 4 jours. Le nombre de jours où tu t'es pas lavé. Non, mais il y a des fois où je suis en mode aïe. Non, en tout, ton record. Plus long strict sans te laver, genre. Attends, c'est tout parce que nous, on a un concurrent ici. Quoi? Non, c'est pas vrai. Si. Mais c'est bon, quand t'es aussi, t'es en plus 10 ans. Oh, hey, mais moi quand j'étais petit, je voulais pas me laver et mes parents ils m'obligeaient. Des fois je faisais couler la douche. J'ai déjà fait. C'est tout ça quand on était petit. Parce que dans le guide du zizi sexuel, encore une fois, il y avait la méthode pour pas se laver. Et c'est non, pas... mais te ferme là ton guide du zizi. Lui, il est complètement pervers. Lui, mais c'est stable. Je te jure, il est un pervers sexuel. D'ailleurs, Terra, pour t'apprendre, moi t'as pissé dans un aquarium, cet abruti mental. Il a tué des poissons. Il veut baiser une naine. Oui, c'est mort. Il a baisé une naine, ouais. Ouais, voilà aussi. Il a pris de la MD, hein. Et il gagne 250€ par jour. Mais je peux tout. Mais t'es trop chiant, Terra. J'ai posé toutes les questions là. Bah oui, mais oublié. Bah arrête d'oublier, t'aurais pu très bien venir. Arrête un peu. Non, il fallait que je fasse une dernière. J'ai bien fait d'ailleurs. Vas-y, pose la question là. Ok, combien je gagne des millions par jour? Ok. Allez où? Centimètres de votre bite, c'est maintenant. Ouais, c'est parti. On a tous déjà fait ça. Regarde. Il veut savoir la bite de Terra. Écrisio, voilà, là, Écrisio, t'es honnête. T'es honnête. Ah, t'es honnête, Écrisio. Quand t'es honnête,
Tout à l'heure, ce qu'il a fait, il était comme ça, Terra. Il a regardé, il a fait. Ah, ils vont tous là. Bon, allez. Après, moi, je mesure pas, quoi. Oui. Non, mais attends, t'as. Mais arrêtez, on a tous déjà mesuré une fois, arrêtez. Arrêtez. Non, non, non. Bien sûr que si. Mais bien sûr. Mais jusqu'à ce cas, c'est super con, ils aiment trop faire les mecs. Ouais, non, on est des mecs non, purs. Non. On est des mecs, on n'a jamais rien regardé, de toute façon. Le porno, on déteste. On déteste, nous. Moi, tous les mois, je prends un mètre rubis. Ouais, c'est important des stats. Ah, putain, on veut jouer en ou pas. Ok, attends, Terra, j'en ai une. Ouais, mais moi je suis content parce que je voulais tout ce qui était. Alors ce streamer et ce youtubeur là, vous l'aimez ou pas J'en étais sûr, hein, j'en étais sûr. Ouais, voilà, tu vois, c'est des questions comme ça. Le maximum de. Le cadeau que t'as offert à une meuf. Non, c'était cumulé, non Thierry, il va dire 50 euros, gros. Ouais, voilà. C'est cumulé. Tu le long. Dis 30 balles. Oh non, ça. Regarde. Oh le radin. Oh le radin. Oh le radin. Oh ouais. Regarde, même radin. Allez. Oh l'iPad Pro là. Attends. Ah, on est tous là. C'était quoi? C'était quoi? Occasion. C'était quoi? L'iPad Pro. Il a offert un iPad Pro pour qu'elle arrête de lui casser les couilles. Il a dit tiens, vas-y. Tiens, femme. Ok, Terra, je veux savoir ça aussi. Il y avait des questions pour toi en vrai. Vu que t'es pas venu. Il se colle à la vitre pour me prendre le tir. La pire drogue, vous avez testé là. Regarde, c'est du pire au meilleur. La pire drogue. Oh là là. Oh ouais, regarde là. Il a failli aller là-bas. Oh non. Oh non. Oh non. Attends. Moi, c'est contre mon gré ça. Oh non, mais comment non, ça vraiment. Vraiment. Ah, raconte. On a fait fumer sans me le dire. Ah ouais. Quoi, t'as fait fumer quoi? C'est de la coke là. Mais oui, comment ça, bah ça oui, sniffe? On peut en fumer. Ah, je savais pas. Bah ouais, ça, tu peux en fumer aussi. Ah, si, ah la coque, c'est. Ça t'a fait quoi? Ça t'a fait quoi? Ça m'a fait que j'ai dit à mon père. Mais c'était maintenant, il a fait. Je suis pas bien là, je crois que je vais mourir. Et. mourir et tout. Et en fait, je faisais une crise d'hypoglycémie conditionnée à une crise d'angoisse, donc ça a duré 6 heures. Et j'ai pris une boîte à chaussures pour vomir dedans. Les nouvelles Nike là. Nike Cocky. Je prends plus rien. J'avais dit, j'en étais sûr qu'il avait fait. J'en étais sûr qu'il était pire que Mouette. J'en étais sûr. Mais non, mais attends, j'ai jamais touché ça. Hey, j'ai jamais touché. Bon, quand même, un petit peu. Bon, allez, pas quand même. Bon, mais t'as jamais testé la ligne. Attends, je regarde les. Non, ça, j'y ai pas été. Jamais testé. Et la ligne, c'est à part l'Uvresval. Ok, Terra, je veux savoir aussi. Ils sont deux en France. Là, on joue juste sur pour Terra là. Si ta meuf ouvre un OnlyFans, d'accord? Pas d'accord. On a où là? Regarde-le. Alors, je vais te dire, Terra, il a répondu à la question. C'était quoi les questions? C'était ça. Il est ultra d'accord. Les cadeaux à la meuf. Ouais, les cadeaux à la meuf, il a offert un cadeau de ouf. Le nombre de branlettes par jour. Je me casse. Le nombre de branlettes par jour. Allez vous faire foutre, Tulip. Ah, les bouffons. Non, mais Maxime, on est où? Oh, les gens chiants là. Putain, les abrutis quoi, ouais, c'est ouvert, ils sortent. Putain, vraiment. Ah ouais, des gamins ou quoi? Il se trouvait moche. Oh non, Il se trouvait moche et il. Non, mais c'est pas possible. Non, mais Maxime, c'est pas possible. Genre, la meuf, elle va t'écarter les jambes, tu vas dire oui. Non. Bah voilà, donc non. C'est faux. Il y a une différence entre sa meuf et OnlyFans, c'est qu'il l'aide en mode allez, je prends. Ouais, il y a en cautionné et il participe. Viens là, t'es au russe là. Moi je sais très bien que ma copine ne fera jamais. Mais pas ma meuf, gros. Mais moi je sais très bien que ma copine ne fera jamais, mais j'ai rien. Enfin, les meufs elles font ce qu'elles veulent, genre. Donc là, ta copine. Vas-y, Maxime. Maxime, ta copine va le faire. Demain. Si ma copine va le faire, ça fait 3 ans et demi que je suis avec, je vais pas la quitter. Je dis bah non, mais, écoute. Maxime. J'essaye de faire en sorte qu'elle fasse pas parce que la question c'est est-ce que si ta meuf le fait, t'es d'accord ou non? C'est pas si les meufs le font, t'es d'accord ou non? Ouais, voilà. Meufs, bien ce qu'elles veulent. Si c'est ta meuf, frère, enfin, dans ce cas-là, on m'a dit de ta meuf que je me branle. Vas-y. Mais je sais très bien que ma meuf le fera pas, donc j'arrive pas à me projeter. Non, mais arrête de faire cette question, arrête, je t'en supplie, arrête de faire ça. C'est comme t'es au tout à l'heure. Dans les épinards. Maxime, la question n'est pas si elle va le faire ou pas, c'est la question si elle le fait. Moi, je dis que si elle veut le faire, elle le fait, c'est tout. Ah ouais. On voit qu'il y en a à faire. Tiendra la caméra. Bon, clairement, toi, c'est pas à moi de Samuel Etienne là quand il baisse sa femme. Ok, t'es là, j'en ai une. Est-ce que
Est-ce que t'aimerais ou t'aimerais... Oh, tout le chat de potas qui dit bah, pas qui sont tous... Bah logique. Tu crois qu'ils vont te dire bravo? Il y en a pas qui a vu une meuf dans sa vie. Tu veux dire qu'ils vont te dire oui, bravo, là, il se vexe l'autre. Bon, est-ce que vous aimez... Est-ce que Terra t'aime ou t'aimerais te faire bouffer le cul? Est-ce que t'as aimé ou t'aimerais... Attends, on a déjà parlé de ça, et en fait, en gros, c'est où le... Il y a pas le j'aimerais. Sinon, va dans... Bah, c'est présent, en futur, tu comprends. Si t'as jamais fait, mais tu dis pourquoi pas, tu sais, dans j'aime on pas. On en a déjà parlé, et je pense que j'aimerais, mais c'est impossible. C'est pas possible. Mais c'est la position, moi je te dis, c'est la position. Ouais, mais même au-delà de ça... Debout, ça marche. C'est le gouffre de haine, le truc, genre, on pourrait accepter ça, genre. En plus, quand il va... Terra, il est poilu de ouf, ça se voit. Quand il va se faire... quand il va se faire bouffer... Quand il en parle, ça se voit, c'est des poils... En plus, quand il va se faire bouffer le cul, il va pas se laver 3-4 jours pour bien faire chier la meuf. tu vas au pute, tu lui dis, je me suis pas lavé, allez, maintenant, goûte ça, là. goûte le Kinder Maxi, là. Bon, faudrait que je franchisse la barrière psychologique de le faire, mais je pense que j'aimerais si jamais le truc était clair comme de l'eau de roche. Mais là, vraiment, genre, on parle d'un chantier, jamais là-dedans. Eliane. Par respect pour elle, en fait, c'est pas parce que t'as pas envie. Ok, j'en ai une. Terra, la minorité que t'as le plus vanné dans ta vie. on l'a tous fait, faut arrêter d'être malhonnête. Celle que t'as le plus non. fait. Faut choisir, je me mets choisir. De dos. Faut pas qu'on reconnaisse. Je le planque un peu. T'as pas honte, vous avez pas honte? Regardez tous autour de lui. Venez, on se met. J'ai le droit aussi. J'ai le droit, voilà. Pas le droit. Il a le pass. D'ailleurs, c'est trop facile. Ouais, mais. Non, il avait pas le pass avant de le faire, genre. Ouais. J'avais pas le pass il y a un an. Il avait pas fait le test. Il s'est dit, peut-être que j'ai le pass, bon, bah je vais le faire. J'étais juste prévu. Okay, attends, Terra, je veux savoir. Merde. Tu penses la minorité qui te déteste le plus sur Twitter et tout là? Je sais où c'est. Bah oui, mais c'est sûr. Bah, c'est facile, allez, ciao. C'est bizarre, c'est... tout le monde sait ici, c'est bizarre. Bah. Les autres, faudrait vraiment que tu fasses des blagues ciblées pour que ce soit les autres. Bah ouais, en fait, voilà. C'est pas ciblé, et là, ça tombe dans le générique, c'est... Mais c'est à cause du mot, aussi, c'est à cause du mot. Je le dis dans la prochaine vidéo. Ouais. Il fait des annonces vidéo comme ça. Ouais, le tease nul, j'ai utilisé un mot. Oh, 50 subs, je dis le N-word, allez, ouais. Oh, ouais, savez-vous. C'est... Ah, j'aurais bien aimé faire toutes les questions. Ah ouais. Je regrette pas le PV, mais je regrette un peu, là, j'aurais bien aimé. Et du coup, tu regrettes? Mais je regrette. Il va en faire d'autres parce que de toute façon il manque Hugo, lui aussi il faut qu'il réponde, ça peut être un bon gars. Mais le truc c'est compliqué de trouver des questions en vrai. Ah, ouais. Faut qu'il change. Fais un doc où les gens ils peuvent remplir en ligne et ça met les trucs en commun. C'est bien quand ça. Ouais. C'était quoi les meilleures questions là qu'on les fasse poser à Terra là? On a raté des bons trucs là. Mais je peux les relire une par une si vous voulez. Ouais. Ouais, mais ça va être long de ouf. Non, c'est pas de questions. Bah quand même. Bah skip tous les streamers et... voilà. Ils ont pas dit des bonnes questions? Il y a le truc de est-ce que tu te trouves moche et tout là, ça c'était avez-vous... Marrant, ça. Déjà, est-ce que... Qui tu virais dans la caca box? Ouais, ça, attends, regarde. Si t'avais le... T'étais obligatoire, fais pas comme Théo à dire... Non, pour pas influencer, on répond pas. Sortez. De toute façon, c'est Terra qui joue. Attends, c'est. Allez, on te regarde, Terra. On y a déjà répondu, on va pas t'influencer. Allez, le bouffon. Si tu fais comme la base, ça va être. Appuyez pas, s'il vous plaît, appuyez pas sur les boutons. Oh, retenez le mot est là. Oh, regarde, t'aurais un mec, genre, tu devais le virer, t'étais obligé de le virer. Potter, retiens le mot. Caca box. C'est parti, c'est parti. Ah. Oh, tu fais main. Rémi, tu vois ça? Tu vois ça, Rémi? Attends, mais regarde. Pourquoi les filles gays ont la même case? Les filles quoi? Les filles gays. Ouh, t'as vu gay? J'ai pas fait exprès. Alors, par contre, c'est vraiment. Là, c'est vraiment. La coïncidence. C'est le hasard. Hein. Oui. Et du coup, t'as beaucoup vanné les Asiatiques, du coup, tu me disais, Terra? Oh. Ok. Terra, dernière question. Est-ce que tu soutiens Éric Zemmour? Vas-y. Merde. Tu réponds. Non, c'est ça, je réponds. La merde, je réponds pour rire. Qu'est-ce que tu fais là? Oh,
Attends, mais Grim, il est revenu dans le truc pour voter, genre en mode. Bon, bah moi, je soutiens, moi. Grim, oh là là, Grim. Pas idiot, c'est cool. Oh, le. Eh, hey, revenez à l'intérieur là, revenez, j'en ai une que j'ai oublié, je viens de l'avoir en haut là. J'ai peur. Hop. Revenez, René. Ouais. Rentre, Théo. Ah, le meilleur son Cacabox. Ah. Ah. C'est parti. Si, si. Oh, là. J'ai pas pu tous les mettre, C'est un classique. Funk. Ah, funk. Et... tous les jours, caca. Ah, franchement, si on parlait de la version de 3 minutes de Supercon V1. Pas de débat, ouais, pas de débat. Oui, mais Supercon, il l'a modifié, genre. Oui. Ah non, c'est vrai qu'elle était mieux la B1. Hein. Celle-là, je mangeais trop dessus. C'est vraiment Disco Caca maintenant. Bon, bah. C'est une dinguerie quand même. Ah, Disco Caca, c'est vrai qu'elle est bien, Disco Caca. Donc là, on est en petit comité, on est zéro. Moi aussi, on est zéro, wesh. Ouais. Il y a que moi. Il y a que le créateur qui aime bien. Elle est bien, Maxime. Mais Caca Funk. Mais après, qu'il aille se faire foutre avec son Caca Funk qui est copyright là, putain. Ah, mais non. Bon, bah. Dégage alors. On va là-bas. Il y a pas assez de non-stop, je trouve ça inadmissible. Okay. Attends, Terra, j'ai oublié les branlettes là. Allez, viens ici. Venez ici, venez ici. Oh, sortez, sortez. Ah, pardon. Ah, okay. Sortez, laissez-le. Laisse tout seul. Théo, reviens, Théo, reviens. Ah, bah, eh, maximum de branlettes par jour, Terra, c'est maintenant. Maximum. Par jour non, en une journée. En une journée. Le record. Oh, je dois être là. Oh. Ah, et Maxime il faisait là. Maxime, tu dis rien parce que là, Maxime il était là, il disait mais vous êtes des points, hein, vous êtes des points. Hein, mais je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit justement. Franchement, je pense que je vous êtes dégueulasse. Quand j'étais jeune, je me suis foudroyé, je pense. Il se souvient même plus du nombre. Ah, ça doit être entre 1000. Oh, c'est pas en dizaines. Mais t'as pas fait le truc des moches, pote, t'as fait le truc des moches aussi. Le truc des moches, c'est quoi le truc des moches? Ouais, bah, c'est avec les noms, avec les noms, les plus moches et tout, bah ouais. Bah déjà, comment tu te trouves physique? Attends. Ouais, voilà tout ça là. Comment tu te trouves physiquement, Terra là? Vas-y, moi, joue aussi. Joue aussi, bouffon. Vas-y, vas-y. Voilà. Normal et beau. Ouais, je crois que ça va. Pourquoi il rigole et Crisio, il s'est mis ici? Merde, fais-moi sortir. Même Maxime, il s'est mis là. Faites-moi sortir, je voulais sortir. Je t'ai dit qu'il y a un lien, il y a un lien entre le... Avant l'opération. Attends, avant l'opération. Avant l'opération. Au moins, il est honnête, il est honnête. On l'applaudit. Bravo. Ok, maintenant, je vais te dire des noms, Terra. Ok, je peux sortir. Alors. Bon, Théo Russe, il est beau. Je vais même pas poser. Merci. Hein. Tibro. Moi, sans hésitation. Oh, Tibro, c'est normal. Il veut pas être vexant. Flygo. Oh. Oh, le drama. Oh là là. Attends. Et Flygo avec un vélo département qui fait de la muscu. Ouais. On motive les gens ici, Allez, Flygo. Ok. Les filles. Ah, ça a décalé un petit peu. Il est peu. En altitude là. Il est plutôt pas beau là. Grim Cujo maintenant avec sa couple. Oh. Eh hey, Grim, je te jure, à chaque fois ils te mettent dans pas beau Grim, il y a aucun. Non mais faut faire un truc avec tes vœux, chaud. Non mais les vœux, ils sont beaux, il y a rien. Oh, sans la coupe, ils m'ont mis dans beau. C'est pas grave, frère. Bah oui, voilà ce qu'il faut changer. Petite barbe contour et tout, t'es là-dedans, Grim. Ouais, mais là, pour l'instant, on va te faire passif agressif, passif agressif. Ah, mais quand je l'ai vu à l'appareil GameSuc là, à son prime, c'était ici. Terrible. Ok. Ça, c'est le gros dégradé là. Bah, hop, c'est bon. Ah ouais, attends, Terra. Non, mais la photo de la coupe de Grim. Combien tu gagnes par jour, Terra? À peu près. Attends, faut que je... Attends, je calcule. Alors là, attends, vas-y, Mouette. Regarde. C'était qui les plus riches, Mouette? Mets-toi dans ton truc. C'était moi, j'étais là. Moi, j'étais là. Tout le monde était à moins de 50. Non, mais t'es pas jour. Ouais, les clochards. Ouais, par jour. Oh. Ah, ça doit faire plaisir. Ah, ça, c'est ma société. Ah, ouais. Juste envie de dire un truc. Faible. Bah, c'est le plus que je peux pas aller là-bas. je suis coincé. Attends, Terra, combien t'as mis dans un... Attends, combien d'argent... Attends, on fait pas... combien t'as mis d'argent dans un jeu vidéo? Mais il a mis... Lui, ça se compte en 17, moi. Non, pas obligé. Genre dans un seul jeu? Non, tu sais, les... Non, mais... En fait, on compte les trucs, là. Tu sais, les...
les vêtements, les skins, les trucs comme ça. Ouais, mais tu parles dans un seul jeu en mode. Ouais, en un jeu quoi. C'est vrai que tu demandes en gros tous les achats intégrés in-game, genre en mode CS. Mais genre... de tout. Ah ouais. Ouais, de tout, ah, de tout, de tout. Ah ouais, mais attends, j'ai payé des sommes astronomiques sur CSGO. Je suis à voilà. Plus de 1000. Oh putain. Heureusement que la chaîne de YouTube a remboursé. Hein. Oh putain. Ah, je sais, potin, mets-lui la catégorie là. Quelle catégorie? Ah ouais. Ah oui, la branlette. De quoi la branlette? Non, t'inquiète, t'as... Bah, tu sais, avec le nain. Oh putain, la catégorie porno, c'est parti. Ah oui. La pire catégorie où tu t'es branlé. Allez, on est honnête. Tu sais que. Attends, on va dire. Regardez, venez à l'intérieur. Pose pas de questions, je vais venez, direct, venez direct, à l'intérieur, venez à l'intérieur. Venez à l'intérieur. Je sais direct où je vais aller. Vas-y. On le refait. Il est motivé de vous êtes prêts, catégorie porno, la pire. La pire. Vous êtes branlé, hein. Branlé. Regarde comment il analyse. Oh, et voilà, oh, c'était sûr. J'allais dire retenez le nom là. Oh, c'est pas beau à voir. Oh putain, c'est pas beau à voir. En plus, il nous regarde. Non, mais attends. Explique-moi. Les mecs. Explique-moi les circonstances là. Bah, j'ai... en gros, c'est tranquille, tu vois. Tout le long, je putain, en plus, bien fait, hein. Et puis, en fait, à la toute fin, je vois le nom de la catégorie et je fais attends, mais il y a un prank là. Et j'avais déjà fini que je m'étais fait pranker. Le prank était très bien fait. Hein. Oh, c'était Greg Guillotin. Elle a enlevé sa jupe et t'as vu le truc. Le monstre, le bazouzou. Ah ouais, je me suis dit, c'était chelou, ça. Elle est trop bonne, mais un méga chibrax. Moi, j'ai continué. Il a dit, bon, bah, pourquoi pas. Tout est bon dans le cochon, hein. Pour tout, au moins, il soutient les LGBT. Et par contre, tu rigoles, mais là, il y a des malades mentaux. Hein. Lui, Mais c'est quoi, ouais, attends, c'est quoi cette catégorie? Non, mais Mouette, il. Ah, je te jure, Mouette, il avait aucune honte. Et toi aussi, hein, c'est bon, normal. Bon, c'est déjà arrivé. Par contre, je te dis. Luffy, s'il jouait, bon, on sait ce qu'il a fait là-dedans. Ici. Ah bah, ouais, il y a là aussi pour Luffy. Il y a tout. Il y a tout. Il peut sauter partout à pieds joints. Attends, je veux savoir aussi, Terra. Quoi? Attends, mais c'était quoi que j'avais mis pour cette catégorie? Je crois que c'était d'accord, hein. Bon, on va faire genre d'accord, vous avez compris. Ça me fait chier. Est-ce que t'as déjà pissé dans une litière? Ça me fait chier. Voilà, je vous le dis. Ça me fait chier. Voilà, je vous le dis. Ça me fait chier. Non, c'est l'aquarium. Ça me fait chier. Voilà, je vous le dis. Bah, et pour lui, c'est nous qui sommes pas normal parce qu'on se dit pas comment ça fait de faire pipi dans une litière. Non, mais attends, genre, il était à deux doigts de. Si t'écoutes Pota, tout le monde se pose la question. Hein. De quoi? Mais moi j'ai pissé dans une litière, évidemment. Ça se fait, voilà, voilà. Ouais. Moi je pense que si j'avais un chat, j'aurais déjà fait au moins une fois. Mais ouais, non, mais bon, mais arrête de faire le sein, toi là. Y a quoi je fais le sein parce que j'ai pas pissé dans la litière de mon chat. mais ouais, pourquoi tu pisserais dedans? Mais c'est ça la vraie question. Mais tu sais, genre c'est de la. Mais testez quoi en fait? Tu peux écrire dedans avec ta pisse, genre, tu sais. Dégage. Il y a la neige. Comment ça, il y a la neige? Pisse dans la neige. La neige, c'est. Et en plus, je fais le villageois là-bas. Ah ouais, il fait du boucan. Ok, hein, attendez, j'ai une question aussi. Oh. Est-ce que vous êtes retenu de chier et vous avez laissé un petit bout de votre merde dans le slip? C'est maintenant qu'il va répondre, c'est maintenant. Je comprends pas, si tu te reviens, pourquoi il y aura. Mais attends, mais moi, non, mais genre, j'ai chié dessus. Bah oui, voilà, c'est pareil quoi. J'ai acheté de subtil quoi. Ouais, vas-y. C'est une trace de rien ou c'est une chouette? Moi, merci Maxime d'avoir acheté des couches parce que moi ça me permet d'éviter ce problème. Moi, je me chie dessus très très souvent. Enfin, attends. Je suis dans le catégorie. Du coup, Maxime, tu t'es chié dessus très souvent. Vas-y. Et on sait très bien la vidéo où tu t'es chié dessus, connard. Mais on connaît tous l'histoire de quand j'ai chié sur ma chaise de bureau il y a. T'as pas l'extrait vidéo juste en MP3 là? Genre, tu le mets. 5 minutes. Vas-y, Tibro. Bah moi quand j'étais petit j'avais des problèmes. Mais arrête avec quand t'étais petit là tu vas dire maintenant. Ah non mais j'étais petit genre j'avais 7-8 ans quand même. Mais du coup vu que je me retenais tout le temps de chier j'avais mal au bide et j'avais des traces dans le slip. Hugo il serait là hein. Je vous le dis qu'Hugo il serait là même. Mouette c'est quoi ton problème là? Quand j'étais c'était en 6ème. 6ème dessus voilà. Je me suis quand même, sixième, il s'est chié dessus. Ouais, ouais. Et j'ai accusé un mec et tout le monde a cru que c'était. Mais tu m'étonnes que t'aies commencé la weed avec ta vie. Moi, ça c'est bon, j'ai
Vas-y, mets-le, mets le petit passage. Ok, mais ok, alors c'est très court, mais il y a le contexte, c'est que j'étais en train d'expliquer par Snapchat à mon pote que plus tôt dans la journée, je m'étais chié dessus. Vas-y. Et au moment où je lui raconte ça en vidéo, il me revient un paix et je me rechie dessus en live. Donc c'est très... Donc c'est un chiaception, écoutez. Mais vous la connaissez, vous, mais bon. Non, mais en vrai, j'ai fait le con parce que j'ai trop forcé, tu vois. Je sentais qu'il y avait un truc, tu vois. Et j'ai pas voulu patienter que ça vienne, tu vois. J'ai dit, vas-y. Et tu vois, c'est sorti, mais tu sais, serré. Genre, mon cul était méga serré, ça sortait. Et là, j'ai senti qu'il y avait le. Attention, c'est maintenant. Ah, mais tiens, attends. Je suis rien de la merde. C'est ma masterclass, hein. C'est pas bon à voir, franchement. C'est pas... Je sens l'odeur, mais c'est horrible. Moi, ce que j'adore, c'est le ah, mais tiens, attends, vu qu'on parle de sushi dessus, tiens. Ouais, en mode c'est ton pote. Ah, bah tiens, attends, il arrive. Ah, bah tiens, parle du loup. Bah. Attends, Terra, des puces là, à quel âge, je veux savoir. Tac. Ah, attends, j'avais pas vu. Christian, oh, ouais. arrête ce vilain mensonge. Attends, mais y a un mec qui a changé d'âge là, il y en avait un ici. C'était Maxime ici. Merde, ah, ouais. Quoi, pardon. Non, Maxime, il était là. Ah, voilà. Il y avait pas un mec ici là. Ah, oui, c'était Maxime. C'était Maxime, il était en 14-16. Maxime, ouais, ouais. Ah, Maxime okay. Était dans neutre. C'était 11. Non, mais non. Wesh. Ouais, mais... Du coup, on sait que Ska, c'est puceau et Ecclesio est puceau. C'est bon. Ouais. Mais Ecclesio n'est pas puceau. Arrêtez. Ils font genre. Si, ils font si. Alors là. Pour avoir plein de meufs dans le monde. Arrête, arrête. Son petit perso. Non, mais Maxime. C'est parce que ça fait des retweets. C'est son petit. Mais Maxime. Arrête un peu. C'est, il joue à LOL toute la journée. Il a envie de le tuer là. Je te jure qu'il est, puceau, Ecclesio. Il est vraiment. J'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Il a fait. Il nous a appelé une fois une soirée. Il préparait le gâteau avec la meuf. La meuf s'est fait baiser dans les toilettes d'à côté avec un autre mec. Alors qu'il a préparé le gâteau avec elle. Il avait appelé. Si. Non, mais si c'est vrai, j'ai envie de faire un câlin. Là. Je te jure. Mais en quoi en... Mais c'est toi. Mais c'était le gâteau qui s'était fait baiser, pas là. Ah, mais c'est plutôt. Je sais pas ce que je préfère en vrai. Allez, dernière question pour le rire. Trouvez-vous Sardoche intelligent? Poussez-le. Pourquoi elle a quitté? Pourquoi il veut plus jouer là? Pourquoi il veut plus jouer là? C'est il a quitté. Bon allez. Ouais, ben, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Non mais le truc, sinon, t'aurais été dans... J'avais des questions qui étaient marrantes dans l'ordre, du coup là c'est un peu... Elles sont en mélangé, c'est moins drôle. Attends, j'ai une question, vous l'avez pas fait. Ok. Qui a déjà eu un de ses parents qui a trouvé un truc plein de cum? Non mais... Attends, comment je... Attends. Comment on sait? Ouais, j'ai pas d'autres... Vas-y, d'accord. Mais t'es d'accord, j'ai pas d'autres catégories. Vas-y. Je suis le seul. Alors... Ah non, qui c'est... Non. Qui s'est fait et qui s'est fait choper branlette aussi? Ah non. Oh non, ça faut pas que j'aille. En fait, moi, si Dieu merci jamais. Moi, je suis pas sûr. Mais elle a cru. Je serais mort là. Tu t'en remets pas de ça. Je faisais pas du tout ça et ma mère, elle a cru que je le faisais. Attends, comment ça le. Quoi? Le pull de cum là. Tu m'expliques, garçon? Tu m'expliques, garçon? J'ai l'esquivé, les gars. En gros, j'avais un t-shirt. Vas-y. Et. Bah, oh non, je sais pas. Non, c'est dégoûtant. Il était tout sec, tout craquelé. Eh ouais, c'est le truc. Oh non, tu vois qu'il est, il est figé dans le temps. Et un peu, genre. Oh. Ça fait. Comme ça. Oh, le frisbee, non, c'est horrible. Arrivé à la plancha, putain. Arrivé à. En fin d'adolescence, je me dis, vas-y, il faut plus que ça. Enfin, il faut plus que ça existe, ce truc-là. Mais je me suis dit, ah, si. Si je le mets à la poubelle, les éboueurs ils vont peut-être le trouver, ce sera la honte. Et je vois pourquoi je me suis dit, viens, c'est une bonne idée, je le mets dans la cave et les gens vont le fouiller. Et je le mets à la cave et je le cache. Il a caché un cadavre, genre. Et je reviens plusieurs mois plus tard à cet endroit de la cave et je ne le trouve plus. Non mais attends, combien de temps tu l'as gardé, Terra? Oh, il a duré, hein. Il en a vu des vertes et des pas mûres. Mais c'est inhumain, mais qui fait ça?
Quand le truc, il avait atteint un stade où il pouvait. Voilà pourquoi je voulais dire. Il était en arrêté. T'as caché un pull pour ça? Non, c'était un t-shirt, il était pas beau. Ah, ah bah dommage, je m'attendais à ce qu'il soit grave beau, le t-shirt. Ça justifie tout en plus, c'est bon. Il était pas beau, monsieur le commissaire, c'est pour ça que j'ai éjaculé 20 fois dedans. Et attendez, je veux savoir un truc. Eh, vous répondez honnêtement. Vous êtes déjà abonné à OnlyFans, là? 0, non, 1, non, 2. Non. Bah, ouais, ça sert à rien de faire les masculins. Ah, non, non, bah 0 du coup. Attends, mais ça sert à rien. Terracide. Non, mais je suis sûr, arrête de mentir, arrête de mentir. Non, mais Terra, plus de 5, non. Mais Maxime, oh le clochard. Il paye pas. Attends, mais. Non, j'étais en train de parler à ma meuf, j'avais pas vu. Le menteur. Je te jure, combien de visites qu'elle avait fait, il y a rien à voir. Combien d'OnlyFans vous êtes abonné? On lui casse la gueule, on lui casse la gueule. Ah, par contre, moi, si. Mais ouais, mais non, mais pas pour le c'était plaisir. Pour blaguer, c'était pour blaguer, on sait très bien qui non, c'est. Non, mais c'était pour vous envoyer des photos que vous avez vues après. Mais ouais, par contre, ouais. t'es trop débile. Mais t'es trop débile parce que. Y a plein de leaks. Oui. Non, je voulais. Vous vous souvenez, je peux pas dire qui. Ah, oui. Voilà. J'avais plus sur internet. J'ai dû créditer. Ah, ça se trouve, un jour, elle se dire mais ce fils de pute, mais c'est son nom et son nom sur la carte bancaire. Non, je veux juste savoir un truc. Pote, je vais jouer pour les filles. Parce que ce malade mental, il est vraiment abonné. Ouais. Attends, Terra, je te DM sur Minecraft. Pour savoir si c'est cette personne. Oui, c'est ça. Ok. Le nom que tu as donné. Un super héros. Voilà. Vous avez déjà frappé un handicapé. Non, je veux savoir s'il y a des. Je veux savoir si c'est surtout pour super con en fait. Je veux voir. est-ce que vous avez brûlé vif des humains? Allez, super con, on te regarde, vote. Non, mais super con, il est là en plus. Oui ou ah non? Ah, ok. Mais comment ça, pas d'accord? Et. Genre. Ah non, quoi? Il l'a frappé doucement. Genre, ouais, genre il a mis une petite baffe. Une petite brûlure indienne comme ça. Notre ici, hein. Non, mais comment ça compris, il y a un autre. Attends, mais Terra, pourquoi t'es pas sûr? En mode, tu t'es dit peut-être les gifler. Je peux pas frapper, mais je me suis déjà moqué vraiment pas mal. Oui, bon, c'est ah, bon, attends, je me suis moqué. Le mouvement de foule. Ah, se moquer, oui. C'est juste se moquer. J'aime ou j'aime pas. Si vous avez des trucs pour j'aime ou j'aime pas, j'ai mis tout aussi. Ah, mais regarde dans le chat, il y a une question. Ouais, le chat là, réveillez-vous. Attends, ça n'a rien de honteux, je veux juste savoir comme ça on sait. L'odeur de l'essence. Oh, incroyable. Ah, t'as vu, c'est des non, extrêmes. Oh, c'est... Non, j'aime bien. Incroyable. Terra, le jour où tu t'es branlé 8 fois, c'était l'essence. L'odeur de livre 9. Terra, pour se branler, il prend un truc d'essence et il prend le pull pourri. Allez, c'est bon, c'est parti. J'en ai une. Qui a déjà bouffé, léché ou embrassé une meuf? Mais on peut pas. Je peux pas. C'est bon, on fait sur cette échelle. Mais d'accord ou pas d'accord? Vas-y. Vas-y, d'accord ou pas d'accord? Eh, super cool, tu fais quoi? Attends, lécher? Lécher ou même fous, embrasser, genre? Non, les pieds, non. J'ai pas mis à l'intérieur de ma bouche, quoi. Attends, un petit bisou. Non, mais parce que. Genre un petit bisou, non, mais et ça dépend, du coup. Vous avez vraiment fait des trucs de ouf avec le pied, ça se voit, hein. Vous non, êtes dans la. Bah, non, on est dans pas d'accord. Ah, merde! On est dans pas d'accord. Non, on a rien fait. Il s'est curé de l'air avec, hein. Ah, le débile! Non, bah, t'inquiète, t'as tout compris. Il est où, Terra? Il se cache derrière. Ah, il s'est mis dans le coin, là. Tiens. Ah ouais, attends, moi, c'est un truc qui est possible, Qu'est-ce qu'il va dire encore? Le sperme sur... Ouais. Avoir son propre sperme, genre, goûter, tu vois, genre... Non. Tu vas aller. Ouais, c'est la fiesta. Venez, les gars. Non, merci. Non, mais moi, je vais dire la vérité, moi, je m'en fous, j'ai plus honte, de toute façon, je suis fini dans le stream game, j'insulte tout le monde. J'ai déjà mis le petit bout, comme ça, tu... Bah oui, tu veux... Hey, t'es là, tu donnes titre à ta propre meuf. C'est tout. Et faites pas genre de faire. Il vient de dire il s'est léché les bazouzous. Non, j'ai pas léché. Il est pas léché. C'est tout. Et fais pas genre le mec choqué parce que ta meuf elle le mange. Léché les bazouzous. Mais voilà. À un moment donné, quand t'as 3 mètres par jour, tu peux. Quand Sandrine elle avale tout à sec, tu te plains pas qu'elle le mange. Donc s'il te plaît, merci. Sérieux, nous au moins on est honnête et ça avait goût d'ananas si okay. Vous saviez. J'ai une question. Il a testé pour voir ça marcher. Vas-y, moi. Qui a déjà baisé une prostituée?
Non mais. Ah oh, non, par contre là non. Non, non, t'es non. Mon pas, mouette, allez mouette, et voilà, et c'était ça. Putain, mais regarde ce crado de merde. Il a dit oh là 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 là. Ce crado. Mais c'est vraiment un crado, vas-y explique le, les prix là. Attendez. C'était 100 balles, 100 balles à Amsterdam. Ah 100 balles en plus 100 balles mais faut... Le pire c'est qu'il a payé 100 balles pour une heure. Oh non, ouais, franchement, moi, t'es là. Attends, Théo est surnom là. Théo, Théo. Non, mais Théo, on sait, on sait, on sait. On sait, arrêtez. Vous faites trop de rumeurs sur moi. Théo, la frère. Mais attends, mais il a mis 100 balles pour baiser une meuf, j'y crois pas. J'y crois pas. Mais t'aurais pu acheter de la weed, moi, t'es avec, tu te rends compte. Mais attends, du coup, attends, à la Amsterdam, je me suis dit, c'est l'occasion, genre. Les ah gars, ouais, à la question, la weed, à la question, bon j'ai changé, mais à la question il disait j'ai baisé plein de meufs, du coup c'était que des prostituées. Non, 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 j'avais fait qu'une. Un menteur, un menteur. Ouais, ouais, ouais. Il booste les stats, ouais. Il booste les stats. Je sais pas, j'ai pas d'autres questions. Bah qui s'est déjà chié dessus devant des gens hein. Oh, ah, plus, devant des gens. Ah, devant des gens, non. Quand j'étais petit. En direct sur Snap, moi. Oh, écrit. Tu peux me raconter. En CE2, voilà, j'étais trop timide. Je n'osais pas dire quand je voulais aux toilettes. Et ça m'est arrivé, je pense, deux fois. Je me suis dit, c'est un coup. J'attendais le vide. Ça veut dire, il faut pas moi. Il joue 4 sur 8, hein, putain. Quoi, la question? Je voulais pas demander d'un autre. Ok, attends, question. Qui a déjà. C'est des questions que je vois dans le chat, elles sont marrantes. Qui a déjà frappé son père? Genre, il y a une embrouille. Mais malade. On sait jamais, regarde, c'est faire quoi. Attends, plutôt d'accord. Attends, mais change le barème. Attends, quoi? Qui a déjà frappé son père? Ouais, bon, bah. Son frère ou son père? Son père, vas-y. Ah, son frère, oui, mais c'est normal. Comment ça, gueule? Ah mais c'est genre, mais je sais pas, tu peux rigoler, mais c'était pas... Il a fait du catch pour rigoler, hop, une tarte dans ta gueule, connard. Non mais là, c'est pas pour rigoler, c'est une vraie embrouille. T'as juste... Ah non, il y a jamais eu, ouais, c'est des ouf. Genre, vous avez jamais battu avec votre daron pour rigoler. Bah si, mais pour rigoler. Il a maîtrisé son daron, il l'a mis à terre. Ah ouais, non, par contre, non, faut tâter qu'il crisse, il a déjà battu son daron. Hein, oui, bah c'est un malade mental. Non mais comment ça? Bon les gars, combien vous avez... J'ai battu mon daron. Combien vous avez DM d'abonnés? C'est maintenant. Oh les mythos. Oh les mythos. Il y a des mythos dans le chat. Moi j'ai DM plein fois des abonnés, mais genre... Non mais tu sais très bien pourquoi. C'est pas en mode sortir avec et tout, zéro. C'est pas pour faire un dessin, un connard, l'autre. Non mais attends. Combien? Attends, deux? Non mais mouette, tu n'as pas d'abonné, mouette. Tu n'as pas d'abonné. Sale mytho, va. Hey, Théo, arrête de mentir. Oh, Théo. Parce que moi, je savais pas. J'essaie de... Théo, j'en suis sûr que c'est là. Théo, j'en suis sûr que c'est là. Le nombre de meufs que tu likes. Non. Oh, c'est vrai ça, Théo. Ouais, les ouais. On s'en peut en parler aussi, s'il vous plaît. Regardez ce like sur Twitter, sérieux. Ça, c'est pas des abonnés. Attends, combien de fois vous êtes bagarré dans votre vie? Genre, une vraie bagarre. Vrai bagarre. Voilà. Mais moi j'étais petit, c'est de la bagarre. Ah ouais, je voulais. Là je voulais. Bon voilà. Là c'est les petites victimes que qui voulaient jamais. Vrai bagarre. Combien de fois vous bagarre quoi. Alors là, comment ça vrai bagarre. Je sais pas si tu mets le gars au sol direct, c'est une victime. Mais c'est pas grave. Bon Maxime, explique-moi, vas-y, explique-moi les deux bagarres là. Moi il y a eu deux fois. Une fois c'était en je devais avoir 12-13 ans. Et mais ça s'est fini très vite parce qu'il m'a mis deux droits. Non mais explique aussi les raisons, explique les raisons et tout. Ben là c'était parce qu'il avait un ballon et moi je voulais jouer. Il jouait avec son pote et moi je voulais jouer, je prenais le ballon et je voulais essayer de faire comme du coup taureau, t'as sorti ton couteau et tu... Mais non c'est lui, il m'a pris, il m'a mis deux droites mais en même temps et dans les yeux. Et genre j'avais trop mal. Et du coup moi je lui ai mis une droite à l'aveugle et je l'ai pas touché dans la tête, j'ai touché dans le cou. C'est vrai qu'en vrai la première droite que tu te prends dans ta vie, bon, c'est pas facile. Non, j'étais en mode qu'est-ce qui m'arrive, genre. Qu'est-ce qui vient de se passer? Et je voyais plus rien parce qu'il m'a fait dans les yeux, et voilà. Et la deuxième, bah, c'était en primaire avec un de mes meilleurs potes, on faisait que se battre, mais à chaque fois. Ouais, mais ça, c'est une petite bagarre cool, genre. Non, c'était vraiment en mode. En plus, on avait. Scasse, alors là, Scasse, il y a des trucs en fer. Justement, c'est ça que je disais, pas vraie bagarre. Les deux fois, c'était pas le même gars, mais je les mets au sol, les deux. Comme des victimes, ils ont plus rien fait. Quelle raison? Bah y'en a un, il voulait me bully, il croyait que j'allais rien faire, et je l'ai mis au sol direct.
Il a joué. Il faisait quoi comme bruit? Il disait ah, se casse la petite salope, se casse la salope. Non, mais genre dans les vestiaires, quand il m'avait mis des coups de poing dans l'épaule comme si j'étais son pote, je l'ai direct mis au sol et c'est bon. C'est bien, c'est bien. Voilà, comme ça. Et la, attends, et la pas première, je m'en souviens, genre, je me souviens pas de la raison. La première, je me souviens pas de la raison, j'aurais juste. Il se souvient même plus. Je l'ai juste tabassé comme ça. Il frappe gratos. Terra, il y en a dans le chat, il a dit Terra et moi, ils se battre ensemble, c'est deux crackheads. Ils sont battus pour la prostituée, ils ont dit tu me la donnes, tu me la donnes. Pour une dose de crack. Bon allez Grim, combien de bagarres moi, là. Moi c'est des tables de groupe. Ah ouais, mais c'est nul, mais c'est nul. Oui, c'était en mode genre un mec qui s'est racketté un de nos potes, du coup on s'est battu en mode 7v7 genre. Ça compte pas. T'étais le mec derrière qui se tapait pas, genre tu faisais ouais, allez. Oh, il s'est pris tous les coups là. Si, c'est les mecs en avant. Il mettait une musique genre de Star Wars derrière avec le téléphone. C'était à toi la tête. T'es à 3 bagarres, il faut expliquer. Vas-y. J'en ai perdu 2 sur les 3. Ah le crack. La toute première que j'ai vraiment eue, c'est parce que. Je vous l'ai déjà raconté, il y avait un petit gros qui était pote avec moi. Je suis déjà mort de rire. On se tapait des barres, tu vois. Mais lui, il se faisait bully par les mecs de son quartier. Et du coup, bah. Moi, j'étais cool avec lui, mais tu sais, parfois, bah, je me foutais un peu de sa gueule aussi, mais tranquille. Et. Ouais, je suis sorti au collège avec la meuf dont il était amoureux, juste pour faire chier. Oh le bâtard. Oh Maxime, tu vas rien dire. Et genre du coup, deux ans plus tard, il me recontacte ou il m'appelle en tout cas, il est en mode ouais on va se taper, tu vois. Parce qu'en fait, les mecs de son quartier qui l'engrenaient, ils l'ont motivé à me taper en mode ouais, tous tes problèmes dans la vie, c'est à cause de lui. Et ce bouffon y a cru, ce qui était pas très malin. Et du coup, le problème, c'est que du coup, moi, j'étais en mode je vais te défoncer, fils de pute, devant chez moi. Et du coup, il est venu. Mais en deux ans, le petit gros, il était plus petit gros. Il s'était entraîné pour taper. Ah, il est sorti de la salle comme Flygo, là. Oh. Mais c'est là, c'est lui, mec, qui a sorti les punchlines nuls, là. Quand, ah ouais, genre, oui. Du coup, on arrivait face à face dans la rue, on marche l'un devant l'autre, et je fais, c'est quoi ton problème? Il me fait, c'est toi, mon problème. Ah oui, je m'en rappelle. Oui, je m'en rappelle. Voilà, bref, t'imagines, ils viennent voir, ils disent, Skyler, it's me the problem. Et t'avais quel âge the problem. Quand on s'était, c'était collège, je devais avoir genre 15 ans, un truc comme ça. Toi, tu t'es battu 3 fois quand même. Et du coup, t'as gagné la bagarre ou pas? Non, je l'ai perdu. En gros, genre, il était beaucoup plus fort que moi, genre en puissance, tu vois. Et donc, il me prenait, il me faisait valdinguer. En vrai, genre, valdinguer. Je vole contre le trottoir, je me frappe la tête contre le bitume. Et j'ai rien commencé à m'enchaîner. Et il y a mon père qui est sorti de la maison et il l'a genre. Propulsé dans l'espace. Pardon. Et je pars mon fils, tu vois. Et c'est barré. Bref, du coup, je me relève, machin, et j'avais des potes à moi parce qu'ils étaient chez moi, mais ils se mêlaient pas au truc. Et il se retourne, tu vois, en partant, et il dit la vengeance est un plat qui se mange froid. Ouais. Ça, il les avait préparés avant. Je me suis dit, il devait être pendant des mois, voire des années, à imaginer ce moment-là. Il était en mode Eminem. Eminem en train d'écrire My friend Sweaty. Non, Sweaty. Il ira bien qu'il ira le dernier. Et toi, Pota, t'es où? Ouais, t'en as pas? Bah attends, on a pas fini, Terra, il y en a trop. Ouais, il reste super cool. Après, moi, le problème, c'est que j'ai déjà raconté en live et c'était. Je veux bien raconter, c'était avec le Renoir. Vous en rappelez pas? Ah, alors là, pas, si, je l'avais. Attends, bah, Terra, fini. Attends, fini, ouais, je vais y aller. Gagné, attends, je suis en retard, je crois que je me savais que là, je dois faire la dernière. Vas-y. La dernière, on était sur les quais avec des potes, il y avait une bande en face, tu vois, de mecs qui étaient un peu éméchés, un peu vénères. À un moment donné, il y a un des mecs qui est éméché de la bande en face qui perd sa chaussure parce qu'il joue avec. Et j'ai un de mes potes qui prend la chaussure et qui ne trouve rien de mieux que de l'envoyer dans la Loire. Ah oui, c'est vrai, tu me l'avais raconté. Marrant, en vrai. Il commence à y avoir une rivalité en mode bon, bah, on est foutu et il y a. Bref, on est toute notre bande de potes, la leur, et il y a un mec hyper grand, barbu, beaucoup plus vieux que nous, qui vient nous voir, il commence à, tu vois, nous choper par le callback et tout, pas à commencer à nous frapper, mais en mode, on va vous déglinguer, tu vois. Et nous, on se chie dessus en mode, on est en infériorité numérique, on est mort. Et à un moment donné, il y a un pote à moi, grand barbu, mais gros, je l'ai jamais vu se battre de ma vie, hein. Fonce dé tout le temps et tout, il passe son sang en bicrave, je l'ai jamais vu se battre. Le mec, du coup, le gros barbu, il vient le voir, il se met en face de lui, il commence à l'engrainer. Mon pote, il lui décoche une droite. Mais de droite, de l'espace, et il commence à l'enchaîner dans la gueule. On était tous sur le cul en mode, on l'a jamais vu ce mec se battre de notre vie et il est surpuissant. Du coup, le gros barbu qui nous engrenait, il dit, c'est bon frère, calme. Et là, je sais pas pourquoi, mais il y a eu une euphorie collective. On était en mode, ok,
on a l'ascendant, on les défonce tous. Et on est tous rentrés dans la bande d'en face. Et au final, on a fini par les frapper, les niquer de ouf. Et ils sont partus dans les boulevards de Tours. Et on les coursait, en fait. Nous, on rigolait de ouf. Et eux, ils couraient avec les t-shirts déchirés et tout. Et ils fuyaient dans la ville. Et nous, étant trop furieux, quand c'est trop drôle. Ça, quel âge la course pour c'était vieux, c'est quand je vais avoir 17-18 ans. C'est Obélix, ton pote. Hein. Mais Tours, c'est la ville la plus dangereuse de France. Voilà, j'ai eu des problèmes à Paris, à Tours, j'ai toujours eu des trucs. Hein. Il a pété la gueule, il a dit les gangs, ils faisaient un concours de ceux qui pétaient la gueule à plus de mecs. C'est n'importe quoi, cette ville. Ah oui, c'est vrai, ça je l'ai pas vécu par contre. C'est quand je suis parti depuis. Mais j'ai vu des vidéos où il y a des mecs qui, devant la gare et tout, ils tirent avec un flingue sur d'autres mecs. Il y a que des balcons. Non, mais. Il faut arrêter, genre. Ah ouais, mais la ville, hein. Donc j'irai jamais là-bas, super. Okay. Mais pourtant, quand il va, en vrai, ça craint pas. C'est juste qu'il y a des endroits, il y a des cassos de ouf. Ouais, à Tours, quoi. Bah, genre, j'ai un pote au collège, il venait en scooter. Un jour, il est plus dans le scooter. Pourquoi? Parce que il est passé devant un camp de gitans, il s'est pris des boules de pétanque dans la gueule. Ah ouais, ils sont pas les de main morte, allez, tiens. Oh, il touchait le cochonou, je vais défoncer la gueule. C'est bon. Bon, maintenant. Attends, Icrisio, il s'est battu 4 fois. Pas le monstre. Il répond. Bon, il est pas là. Bon, super con là. 5. Alors lui, hein. Tu racontes les meilleurs parce qu'on va pas raconter tout non plus. À chaque fois que j'allais en Allemagne avec mes cousins, on allait, t'as vu, dans des parcs. Genre, j'étais vraiment petit. On allait dans les parcs, il y avait, t'as vu, les balançoires et tout, ils étaient prises. Et nous, t'as vu, on voulait s'amuser. Du coup, il y a mon cousin, il faisait chier les autres. Et du coup, il venait vers nous et on les massacrait. Non, mais on va appeler la police tout de suite, là. Comment ça, on les massacrait? On dirait Hulk Hogan, là. Il saignait du nez et tout. Après, nous, on prenait les balançoires pour nous. Genre, c'était notre temps. Mais ils avaient 8 ans, super connerie. Non, genre, nous, on avait 13-14. T'as pas eu une bagarre où c'était serré, genre? Non, jamais serré. Normal, tu t'attaques tout le temps les gamins, sale connard. Et Mouette? Bah moi, c'était en 5e. Il y avait le petit frère d'Ibra TV dans ma classe. Il m'a volé mon SD. Le petit frère. Comment ça, le petit frère d'Ibra TV, qu'est-ce que tu racontes? Ismaël, il était dans ma classe en 5e. Il s'appelle comment? Ismaël Tchetchoef, il s'appelle. Ok, Ismaël. Il a le dox, là, il a le dox. Mais non, mais son nom, il est connu, c'est bon. Ah, c'est son cousin, quoi. Après, c'est pas mon problème, c'est Mouette qui l'a dit. Hein. Je me suis fait enculer à chaque fois, voilà. Pareil, je me suis battu genre 10 fois, un truc comme ça, contre lui. Attends, il s'appelle comment? Ismaël Tchetchoef. Oh, Ismaël, si tu veux la revanche, Mouette est chaud. J'étais en 5e. Non, après... Hey, bra, Mouette, il a dit maintenant... Il veut se venger. Non, comment il est maintenant, en fait, il me tue maintenant. Ouais, mais du coup... Il est grand frère. Et t'en as une autre? Une autre, ouais, c'était en sport, c'était en 3e. Un mec qui s'appelait Peter. Le nom de US. Ouais, et en fait, ce mec-là, il s'était pris en photo. John Marks, il s'appelait. Et la meuf avait leak sa photo à poil avec la cravate, donc on l'appelait Peter la cravate. Ah oui, c'est vrai. Et ce mec-là, Peter la cravate. Depuis tout le temps. Et à un moment, j'en ai eu marre, je lui ai mis deux énormes droites dans la tête et il a été à l'hôpital. Bah. Voilà. Attends, non. Mais sinon, j'ai perdu tout. Hein. Je vous rassure, j'ai dit. Les gars, écrit revenu et il est 4-4. Vas-y, raconte tes 4 bagarres. Ça dépend, est-ce que ça compte si c'est une bagarre contre une meuf? Non, mais. Ah, tiens, fou, toi, t'es un gros malade, toi. Mais t'as un vrai problème, tu vas les laisser tranquilles. Elles veulent pas baiser avec toi, tu les tapes pas, c'est tout, putain. Je suis à 3, c'est bon, ça compte. Vas-y, dis les 3. Les 3. Bah en vrai il y en a plein, c'était à la sortie du collège en gros, vu que j'étais en banlieue et on était un peu des animaux et du coup à chaque fois qu'il y avait des problèmes fallait devoir se battre quoi. À chaque fois en fait moi j'étais l'élève, j'étais le premier de la classe, j'étais sage et il y en avait, ils voulaient des fois me racketter, me frapper trucs. Donc ça arrivait des fois c'était des petits bâtons. Attends mais tu te faisais bully du coup? Non, il y en a des fois, ils voulaient, du coup, fallait les remettre en place. En fait, moi, j'étais. Oh, le menteur, Mais les PNJ. Ah ouais, c'est un mytho. Attends, mais écris, tu mesures combien 1m75, mais je jure, je me suis jamais fait racketter. Ouais, mais comme t'as. Moi, je me suis déjà fait racketter. T'étais assez large, non? Bon, en vrai, les mecs larges, ils ont de la force. Ah, je le prends. Par contre, explique tout de suite l'histoire avec la meuf, parce que là, je vais appeler la police, moi. La meuf.
Non, non, explique. Non, en gros, c'est genre, elle avait tapé, ben, du coup, un pote à moi, elle avait frappé. Et Miski, en fait, il était petit et tout, et en fait, il s'est fait martyriser un peu. Du coup, je suis intervenu. Attends, je t'en supplie. J'ai rien écouté. Coupe le volume de Minecraft, je t'en supplie. Ouais, elle est. Elle est parce que j'entends tous les PNJ qui de chez toi, là. C'est bon. Redis. Voilà. En gros, j'ai un pote qui s'est fait un peu bully par une meuf. Et en gros, genre, c'est le pauvre, ça, il était petit et pas très musclé et tout. Et du coup, bah, elle en profitait, elle lui mettait des tartes et tout. Alors que c'était une fille. Du coup, bah, moi, j'ai défendu son honneur, quoi. J'avais pas laissé se faire surmaltraiter par une meuf. Tu as pété la gueule. Non, on s'est battu et j'ai gagné. Il est content. Il a mis. Et il a, au lieu d'avoir un trophée des 1000 abonnés, il a un truc. J'ai tapé une meuf. Voilà. Il a fait comme De Niro dans Raging Bull. J'ai vengé mon pote. Le maltraitant. Il a fait le truc de Cristiano Ronaldo après le combat. Moi je la. Moi je me suis battu une fois, mais je crois. Mais qui? Je l'ai vraiment jamais. Attends, il y avait qui? Hugo? Si, je crois que j'étais là. Si, c'était un speedrun, je l'avais déjà raconté, mais. Je sais pas si je le raconte du coup là. Bah vas-y, raconte. Je l'ai en fait, c'était un Renoir, et ça n'a rien à voir avec le. Oui. Le racisme. Je l'ai poussé dans les couloirs, c'est la seule fois que je me suis battu. Parce que j'avoue que en vrai, moi j'ai harcelé tout le monde, mais je me faisais jamais tabasser. On dirait un peu comme YouTube, je vanne tout le monde, mais j'ai jamais de problème, je suis invité chez Squeezie et tout. Donc, et du coup, je l'ai poussé dans les couloirs, il est tombé contre un gros truc. C'était, je sais plus, c'était un truc qui était dans le truc. Oui, j'ai couru vite. Il est venu dans le truc, dans la cour, il y a tout le monde qui a fait un tour autour de nous, donc fallait se battre, le moment où il faut se battre. Du coup, moi, au début, je faisais semblant de prendre les coups, tu sais, parce que je savais pas me battre. Du coup, je disais même pas mal. Il me faisait mal au bout d'un moment. Il m'a mis un coup dans le poumon. Et puis après, c'est le combat s'est arrêté là. Et voilà, on m'a traité de raciste. Voilà. Pousse-toi, Maxime. Voilà, c'est le seul combat que j'ai eu de ma vie. Beau combat, loser. Et voilà, je crois que c'est tout. C'est moi, tout, moi, j'ai... Qui s'est déjà fait racketter? Vas-y. Moi, zéro. Alors là, zéro. Pourtant, ouais. J'étais à un endroit où il y avait des gitans, mais zéro, par contre. Ah, t'es aussi. Moi aussi, hein. Vas-y, ouais, racontez pourquoi vous êtes raqueté. J'étais pas vraiment la cible, en fait. Attendez. Grim, il est dans zéro parce qu'il l'a raqueté, mais il lui a rendu son téléphone parce qu'il était rose. Ah ouais. Il y avait une fois, je rentrais, genre, c'était mon stage, je crois que j'étais en troisième. Je marche et tout, je rentre, je passe devant une école, tu sais, c'était école publique. Et t'as commencé à regarder les petits gosses. Super, quoi contre les écoles publiques? Oui, vas-y, laisse-moi finir. Du coup, je vois, il y a 10 mecs qui sont assis debout devant. Je me fais, oula, je change de trottoir. Je vois, les 10 changent de trottoir, je fais, allez. Du coup, je marche, quand ça marchait vite, je vois, il y en a 3, ils vont devant, 3 derrière, je me retourne, je vois, je suis en salle. Ah ouais, le guet-apens. Je me fais, bon. Après, ils me regardent, ils font, total. Du coup, moi, vas-y. Non, mais c'est qui qui a ton tel? Du coup, moi, vas-y, je suis en mode. Ils sont invités. Rien faire, je sais pas qui. Puis, si le tel, je l'ai donné. Et à cette époque-là, j'avais l'ancien tel de ma sœur qui était un iPhone 5C rose. du coup, je t'ai envoyé le mec, il le prend, il le regarde, il fait. Vas-y. Ah, le clochard. Ah, vas-y. Il voit. C'est genre, Je marche, et genre, après, à gauche, c'est ça tourne, et à la seconde où genre ça a tourné, et je suis plus dans leur champ de vision, je cours chez moi. Même trop, ils ont vu ton fond d'écran, il y avait une bite d'homme dessus, ils se sont dit, bon, allez, garde ton tel, mon frère. Tu raquettes un métis. Moi, il y avait des... Bah, moi, je me suis jamais fait raqueter, mais il y avait des coups de pression comme ça, moi. Il y avait les gitans, ils allaient devant l'épicerie, et ils attendaient que des gens achètent des bonbons. Et ils restaient devant, et les gitans attendaient. Vraiment, c'était vraiment ça. C'est quoi, c'est du braquage de bonbons? Bah, c'est comme ça. C'est Willy Wonka ou quoi qu'il arrive. Moi, je me suis pas fait raqueter, mais il y a un daron, il m'a mis une gifle pour rien. À la sortie de l'école, il dit, tiens, toi, tu l'as mérité, salope.
Je vais... en gros, j'avais 14 ans, hein, dis-toi. Je traverse un passage piéton, et il roulait en moto hyper vite, je l'avais pas vu, il passe devant moi, moi je crie putain, genre tu sais, bah, moi je m'y attendais pas. Il descend, il ralentit, je l'ai vu. Il descend de sa moto, il vient vers moi, et il a dit pourquoi tu m'as insulté, il me met une claque, gros. Alors qu'il a, il a 30 piges. tu dis juste bonne journée, il a mal entendu pourquoi tu m'as insulté, fils de putain. Oh, j'ai vraiment envie de revoir, tu sais, je vois la scène, je veux voir la scène de loin, genre. C'est pas une claque, genre humiliante, il m'a mis une grosse claque, j'étais désorienté. Ça a résonné, t'étais dans un square, là. C'est tout, fils de putain, je vais le retrouver. Alors, par contre, moi, tu t'es fait raqueter, là, explique, là. Non, non, alors, moi, il a fait son casque, en plus, 30 ans. T'avais 16 ans. En gros, j'étais allé à la boulangerie, m'acheter un petit sandwich. C'est les gitans. Non, non. C'est pas les gitans. Et en gros, je m'en vais de la boulangerie et je sais pas, il y a un mec qui a dû me voir acheter, je sais pas. Et j'avais mes écouteurs. Et je vois un mec qui me suit, genre depuis 5 minutes, avec une béquille. Voilà. Mais genre, il boitait pas. Oula, mais c'est un film d'horreur, là. C'est bizarre. Et après, il y a un deuxième mec qui arrive avec lui derrière, je vois. Donc, je commence à marcher plus vite. Et puis, au moment où j'arrive à sortir de la rue pour tourner à gauche pour aller vers chez moi, il y a un troisième mec qui arrive devant moi et qui me coupe la route. Non, mais là, Orange Mécanique. Il commence à me mettre des coups de pression. Ouais, donne ton téléphone, sinon on te pèse ta mère et tout. Donc, ils m'ont arraché mon téléphone dans la poche. Ils sont partis. Après, je les ai insultés de tous les mots possibles quand ils sont partis. Il y en a un qui a voulu me courser, mais il a oublié que il savait pas que je faisais de l'athlétisme. Ah, une grosse piquette. Le drogué, une grosse là. Piquette. Je suis monté sur le mur de chez moi. Le mec, il voulait monter sur le mur, mais je lui ai explosé les doigts. Et après, il est parti. Mais j'avais plus mon téléphone. Et pourquoi t'es pas parti si tu savais que t'allais les tracer dès le début? Bah, en fait, je savais pas, il était tout seul. Un Netflix si production. Chose, bon, allez, à toi, Théo, là. Ah, c'était marrant. Ouais. Mais j'avais pas téléphone. C'était marrant, t'as quand même bousillé le doigt à quelqu'un. C'est mérité. Bah ouais, c'est pas lui le problème dans l'histoire. Tu la fermes, Tibro, si tu veux pas qu'il t'arrive des bricoles. Ah, c'est super bien ce que t'as fait, Mouette. Super boulot. Bravo, Mouette. Bravo, perso, j'allais jouer au foot avec des potes à un stade. Ouais, voilà, fin de l'histoire. Merde. Ah, je suis mort. Escale, j'ai pas fait exprès. My prout. Et en gros, du coup, c'est... Ah, c'est revenu. Jamais allé à ce stade de ma vie, du coup, je fais par un autre chemin. Et du coup, j'attendais et tout. Et il y a deux mecs qui viennent devant moi. Et en plus, c'était l'époque où il y avait Bad Flunch et tout. Tu sais qu'ils faisaient des pranks. Et moi, ouais, ils étaient là. Non, non, justement. Parce que les mecs, ils leur ressemblaient juste en mode. Ah ouais, c'était la période de faire un prank. Ils me disaient tu fais quoi ici? Oh, tu sais que tu viens d'où? Ah, t'es de là-bas, vas-y, passe ton téléphone, quoi, on rigole. Et moi, je rigolais un peu. Je me dis ah, c'est un prank. Si je regardais autour, voir s'il y avait une caméra. Et après, je vois un mec qui sort son taser. Et je suis en mode bon, bah, du coup. Ah, ils ont mis les moyens dans le. Non, non, c'est un prank, c'est un prank. On va tout de suite. C'est un prank par le col, ils m'ont mis au milieu du terrain. Et il y avait un gros gars musclé, il disait oh, si vous faites ça derrière les buissons. J'étais en mode oh, s'ils mettent la main, ça... merde. Comment ça? Mais j'aurais eu trop peur quand ils. J'aurais trop peur derrière les buissons, j'ai cru un viol. J'aurais eu trop peur, j'ai fait ah, bah vas-y, tiens. Juste, tu peux prendre ma carte SIM, je lui ai dit, j'ai pris et je suis parti. Il a donné la batterie, tiens, prends la batterie. Je peux voir la batterie, s'il te plaît. Et après, il y avait mes potes sur vue, ils ont fait ah, t'étais avec des potes là. Je fais bah non, du coup. Bah non, tu vois le cocard et le doigt dans le cul, tu le vois quand même là. Ça. Mais j'étais dégoûté. Oh putain. Ta carte SIM, tu peux crasser ton téléphone, t'es con? Non mais c'est pour qu'il récupère ses données, t'es des cons. Moi j'ai une histoire mais c'est pas moi, mais c'est parce que c'est drôle. Vas-y. Je vous raconte, en fait c'est un pote, peut-être qu'il regarde le live là. il est devenu, un jour il était, on habite dans le sud donc, bon je veux pas vous dire la ville, je préfère pas dire. Il était à un port et il rentrait chez lui tranquille vers 18h. Il y a trois arabes qui vont le tabasser. Ils vont lui prendre ses clés, son téléphone et tout. Et depuis ce jour-là, il est raciste contre les arabes. Et je l'ai dit. Et c'était vers, je crois que c'était vers 2017. Donc, en gros, au second tour, il a voté Marine Le Pen. Et je l'ai dit, mais mec, c'est trois mecs comme ça, ça n'a rien à voir. Mais il était. Je m'en fous. Ça l'a traumatisé complet, cette histoire. Tout petit raciste comme ça. Bah ouais. Chat, ah, c'est moi. Non, non, je pense pas que c'est lui. Tu m'en veux pas, hein. C'est pour rigoler. Bah, c'est bon, on le connaît pas. Allez. Bon, bah, c'est bon, hein. Moi, je dis, on arrête la live ici. C'était marrant. C'était bon, petit live. Fuck Terra qui est venu 2 heures après, il aurait pu rigoler, mais bon. Attends, dernière question. Ah, vas-y.
Allez, qui a été le plus et le moins honnête? On doit se... Ouais, mais ils vont pas être honnêtes du coup. Ah ouais, j'avoue. Bah vas-y, faites-le. Moi j'ai pas super... Attends. Genre vert c'est... Bah si t'as menti quoi. On estime qu'on a été honnête et rouge c'est... Et comptez vrai. Bien les centimètres de bite, hein, vous oubliez pas là, à ce moment-là. Attends, répète. On est honnête ou pas? Est-ce que tu penses que t'as été honnête ou pas? Moi je trouve... Oh Théo, va un peu plus loin. Ouais, moi honnête à fond. Oh Théo, ici là, ici. Non. Théo, va là-bas. 100%. Bon allez. Bon j'avoue que c'est... Il était pas seulement raciste contre les Arabes, puis contre toutes les communautés aussi. Bon allez, ciao, merci tout le monde. On en fera si on a cette question parce que c'est un peu compliqué.